Asse Laurence, Beauguil Véronique, Baume Emmeline, Béra Pierre, Bernard Roland, Béra Nora, Besson Dounia, Blache Pascal, Blais Antonia, Boudot Christophe, Bouzerda Fouzilla, Braillard Thierry, Broliquier Denis, Brunera Anne, Broum Richard, Burillon Carole, Chevalier Françoise, Clès Gérard, Colomb Gérard, Condemine Anne-Sophie, Corazol Guy, Coulon Christian, Cuchera Yann, David Jean-Jacques, Delavernay Inès, Denien Sauze Karine, Durand Jean-Dominique, Faurie Gauthier Céline, Fenech Georges, Fondeur Marie-Odile, Fri Sandrine, Gay Nicole, Jourjon Christophe, Giordano Alain, Grabert Loïc, Grandjon Isabelle, Guillan Stéphane, Ajrimina présente, Amelin Emmanuel, Avar Michel, Aubert Gilda, présente. Julien Laferrière Hubert, Kepenekian Georges, Kimmelfeld David, Kismoun Ali, Lafont Luc, Lefaou Michel, Lévi Charles Franck, Lévi Fabienne, Madeleine Christelle, Maleski Jérôme, Manoukian Henriette, Nachuri Dominique, Palomino Sylvie, Pélaez Louis, Perrin Gilbert Nathalie, Philippe Thierry, Picot Myriam, Rabatel Thérèse, Remy Arthur, Renaud Blandine, Rivoire Françoise, Roland Vanini Nathalie, Route Bézieux Élodie, Royer François, Rudigoz Thomas, Sangouard Joël, Sécheresse Jean-Yves, Servien Elvire, Tazdaït Djida, Tête Étienne, Touraine Jean-Louis. L'appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu'à l'ouverture de la séance, le quorum est atteint. Conformément à l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en application de la délégation accordée au maire par délibération de principe numéro 2014-4 et numéro 2014-5 du 4 avril 2014 et 2015-1496 du 28 septembre 2015. Il s'agit principalement d'actions destinées en justice, de conventions de vente et de dons. La liste de ces décisions vous a été transmise avec l'ordre du jour de cette séance. Je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous passons donc aux questions écrites qui concernent aujourd'hui le 8e arrondissement. Conformément à l'article L2511-12 du Code général des collectivités territoriales, je propose de passer la parole au maire du 8e arrondissement pour nous poser la première question. Monsieur le maire, chers collègues, c'est madame Carole Burillon qui posera la première question du 8e arrondissement. Monsieur le maire, chers collègues, la cité Tony Garnier, située dans le quartier des États-Unis, constitue un patrimoine architectural inestimable autour duquel le musée urbain Tony Garnier assure une médiation de qualité qui lui offre un rayonnement en France et à l'étranger. Ces immeubles, datant des années 30, vont être prochainement réhabilités, tant en termes de confort de l'habitat que de rénovation énergétique sous la houlette du bailleur Grand Lyon Habitat. Par ailleurs, les 25 fresques monumentales réparties dans le quartier, qui constituent un parcours unique au monde, vont être également restaurées, dans le même temps que les murs qui les accueillent feront l'objet d'une nouvelle isolation par l'extérieur.
Pourriez-vous, monsieur le maire, nous indiquer de quelle façon la ville de Lyon soutient ce vaste projet piloté par Grand Lyon Habitat et comment veille-t-elle à l'intégrité historique et patrimoniale de ce quartier atypique ? Merci. Je propose donc une réponse à quatre mains. Monsieur Jean-Dominique Durand d'abord. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le maire du 8e arrondissement, chers collègues, la question posée implique une double réponse sur le plan de l'urbanisme avec la réhabilitation des immeubles et une approche globale de la cité Tony Garnier et patrimoniale avec la rénovation des 25 murs peints qui composent ce que l'on peut appeler la collection du musée urbain Tony Garnier. Michel Le Faou traitera du premier aspect. Je m'arrête pour ma part sur la cité Tony Garnier en tant que patrimoine du XXe siècle. Il s'agit d'un élément majeur du patrimoine historique de la ville de Lyon, constitué par l'ensemble des logements qui furent en leur temps révolutionnaires du fait du cadre de vie radicalement nouveau qu'ils offraient et par les murs peints. Ces derniers retracent l'épopée urbanistique et architecturale de Tony Garnier, montrant pour certaines ses rêves, ses utopies, pour d'autres ses réalisations, tandis que quelques-unes ouvrent sur de vastes horizons. Le projet d'ensemble de rénovation est piloté par Grand Lyon Habitat, bailleur social, propriétaire des logements. Les murs peints ont été réalisés par Cité Création entre 1988 et 1998. On parle bien ici de murs peints et non de fresques, ce dernier terme désignant une technique particulière de peinture murale. Ici, le décor est peint sur des supports accrochés aux murs pignons. Leur rénovation devrait être assurée par Cité Création avec trois commandes différentes selon l'état de conservation ou les demandes qui nous parviennent, soit la reproduction à l'identique, soit la simple modernisation, soit carrément une nouvelle création. Ainsi, le premier mur, inauguré le 6 décembre dernier, est une nouvelle création. Son financement a été soutenu par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 80 000 euros à l'occasion de son 200e anniversaire. La direction de l'éclairage public de la ville de Lyon a assuré la conception et la réalisation de sa mise en lumière. Ce nouveau mur raconte le quartier des États-Unis et son histoire. Il est placé sous les figures tutélaires d'Édouard Herriot et de Tony Garnier, le maire et l'architecte, deux visionnaires qui se sont rencontrés autour d'un vrai projet urbain et d'une certaine idée de la personne humaine dans la ville. Nous commémorerons en cette année 2017 le 60e anniversaire de la mort du premier et le 70e anniversaire de la mort et 150e de la naissance pour le second en 2018-2019, j'y reviendrai. Le programme mené par Grand Lyon Habitat inclut la réalisation d'une maison du projet, dont l'inauguration est prévue en octobre prochain. À la demande de la ville, la gouvernance élaborée inclut un comité politique composé des adjoints à la culture, au patrimoine et à l'urbanisme et d'élus du 8e arrondissement, mais aussi un comité technique et un comité de coordination comprenant Grand Lyon Habitat, le musée urbain et Cité Création. Le musée urbain a là un rôle central comme expert scientifique dans la création des nouveaux murs et de leurs scénarios et aussi comme médiateur culturel et animateur pour faire le lien avec les habitants réunis au sein des comités et avec les publics. Au regard des questions culturelles et patrimoniales,
la ville est engagée sur la cité Tony Garnier selon trois axes. Le premier est le soutien apporté à l'association Musée Urbain Tony Garnier, avec principalement une subvention annuelle de fonctionnement de 75 000 euros et une subvention d'investissement de 9 500 euros, auxquelles s'ajoutent des aides plus modestes qui soutiennent des initiatives ponctuelles. Pour 2018, une nouvelle convention cadre est à l'étude afin de repréciser les engagements de la ville. Il convient de saluer ici le travail remarquable réalisé sous l'impulsion du président de l'association, Jacques Boniel, et de la directrice du musée, Madame Catherine Chambon. Des expositions régulières rencontrent de grands succès avec le soutien de mécènes importants. Le musée urbain témoigne d'un beau dynamisme. Le deuxième axe est la mise en œuvre d'un projet culturel de territoire finalisé en 2016 dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 et co-animé par la mission de coopération culturelle de la ville et la mission Entrée-Est. La dimension patrimoniale du quartier fait partie des grandes lignes directrices de ce document cadre. Le musée urbain s'associe à d'autres institutions culturelles, les archives municipales, la bibliothèque municipale, la maison de la danse, l'auditorium, l'Institut Lumière, les journées européennes du patrimoine. Le musée travaille notamment sur le projet de médiation université pour lequel il a reçu 5 000 euros de crédit politique de la ville autour de l'exposition « La vie, mode d'emploi » qui a reçu un soutien spécifique du fonds d'intervention patrimoniale de 5 000 euros également. Le troisième axe est celui de l'accompagnement de la médiation culturelle du projet Tony Garnier. Une enveloppe de 15 000 euros de crédit du fonds d'intervention culturelle a été versée à cet effet à GLH et la future maison du projet sera de ce point de vue très importante pour réunir avec Grand Lyon Habitat et le musée urbain les habitants et les élus. Je terminerai sur le 150e anniversaire de la naissance de Tony Garnier qui sera en 2019 un levier important non seulement pour mettre en valeur les grandes réalisations de l'architecte à Lyon, je ne vais pas les énumérer ici, et pour mieux connaître son œuvre, exposition par des expositions et des colloques, dans le cadre de la poursuite de la rénovation des murs peints. Je vous remercie. Merci Jean-Dominique. Michel Lefaou, en complément. Complément. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le maire du 8e arrondissement, mes chers collègues, je vais compléter la réponse de notre collègue Jean-Dominique Durand pour la partie concernant la question relative à l'habitat. L'opération de rénovation de la cité Tony Garnier, propriété de Grand Lyon Habitat, sera une réhabilitation patrimoniale exemplaire et notre collègue Jean-Dominique Durand vient d'y faire référence en rappelant l'enjeu patrimonial urbain et architectural que revêt ce patrimoine. Pour ma part, je vais vous parler aussi de l'enjeu de la politique de l'habitat et du logement. En effet, ce n'est pas un simple rafraîchissement de façade, comme certains ont pu le penser ou le dire, car les travaux envisagés permettent de moderniser et de pérenniser cette cité à forte valeur patrimoniale, labellisée patrimoine du XXe siècle, rappelons-le. Il s'agit d'une opération qui servira d'exemple, comme en leur temps, dans les années 20-30, ces cités furent exemplaires et exceptionnelles par l'innovation et le confort qu'elles ont apporté aux ouvriers de l'époque. Ce grand quartier d'habitat social reste bien vivant et d'une grande utilité pour le logement des salariés et retraités modestes, ainsi que pour les jeunes ménages qui démarrent dans la vie. Nous ferons donc pour les cités Tony Garnier, en partenariat avec Grand Lyon Habitat, une opération dans le respect des ambitions de notre ville, une ville durable, attractive et solidaire.
Il s'agit d'une réhabilitation globale et ambitieuse, conciliant à la fois les objectifs de performance thermique, de préservation du patrimoine et de maintien d'une offre de logements abordable et attractif. Il s'agit d'un ensemble de 46 bâtiments représentant 1543 logements à usage d'habitation locative avec des commerces en rez-de-chaussée, et cette résidence a donc été construite au début des années 20 et jusque dans le milieu des années 30. Et cette cité HBM a été réhabilitée une première fois en 7 tranches successives à partir de 1985, en réalisant tout d'abord une isolation par l'extérieur des murs pignons aveugles, ce qui a donné lieu à la réalisation par la cité de la création de murs peints inspirés par l'œuvre graphique de Tony Garnier et dont Jean-Dominique Durand vient de nous parler. Mais une rénovation datant des années 80 est aujourd'hui obsolète. Aussi, depuis 2013, les études pour les travaux de la première tranche ont été engagées et conduites dans un cadre partenarial avec les services de la ville et les architectes des bâtiments de France. En 2016, Grand Lyon Habitat a engagé le projet Tony Garnier, un projet global de réhabilitation de la cité, portant à la fois sur la réhabilitation des bâtiments et des logements et sur le cadre de vie avec la modernisation et le réenchantement des murs peints, sujet déjà évoqué par Jean-Dominique Durand. Un phasage est proposé en 5 tranches pour traiter l'ensemble de la cité qui sera raccordé au chauffage urbain avec une première tranche de réhabilitation de 275 logements en préparation. Une rénovation exemplaire qui permettra de supprimer à terme le chauffage électrique très coûteux. Couplé à une nouvelle isolation des bâtiments, les locataires vont grandement gagner en confort et en économie d'énergie. En outre, la solution choisie du raccordement au réseau de chauffage urbain permet de répondre au mieux aux objectifs patrimoniaux et environnementaux. L'homogénéité sera aussi le fil rouge de ces tranches successives. Le programme des travaux de tranches suivantes sera celui défini lors de la première tranche afin de retrouver une homogénéité à l'échelle de la cité dans son ensemble. Pour finir, je vous livrerai quelques impressions sur le travail exemplaire de concertation qui a été mené avec les locataires pour élaborer avec eux un programme qui tienne compte de leurs usages quotidiens des logements. Nous avons lu dans le Progrès, et c'est certainement vrai, Grand Lyon Habitat a inventé pour cette opération le concept de réhabilitation participative. La concertation a été initiée très en amont et accompagnée par des supports de communication dédiés. La présentation aux locataires d'un premier logement témoin a eu lieu en janvier 2016 afin de montrer le programme de travaux envisagés et de recueillir leur avis. Les avis recueillis lors des visites du logement témoin ont été analysés et pris en compte, notamment concernant la loggia, l'aménagement de la cuisine et de la salle de bain, dont l'étroitesse de la douche avait été soulignée, le cabinet Trajectoire Réflexe, l'équipe de maîtrise d'œuvre sociale dédiée au projet, a donc accueilli et échangé avec plus de 100 locataires lors de 4 demi-journées de permanence consacrées à cette concertation. Les comités de locataires ont été eux aussi associés à ce projet. Une opération exemplaire, donc à tout point de vue, c'est ce que nous souhaitions tous au regard de la valeur historique et patrimoniale de cette cité. Il s'agit de notre passé et de notre avenir. Le symbole est fort, l'enjeu demeure de ne pas détruire l'identité du quartier, de conserver l'image historique de Tony Garnier, la cité ouvrière idéale, avec la participation de ses habitants à sa rénovation. Une opération qui s'intégrera parfaitement dans le musée urbain Tony Garnier et ses murs peints. Un musée, oui, mais totalement vivant et habité. C'est un projet rare et ambitieux. Enfin, pour terminer, je voudrais souligner l'engagement financier de Grand Lyon Habitat sur cette opération. Le coût de la première tranche de travaux, qui regroupe donc 275 logements, s'élève à ce stade à 17,9 millions d'euros hors taxes, et ce qui représente un montant de réhabilitation par logement
de 87 200 euros, ce qui est loin d'être non négligeable et qui montre en tout cas l'effort porté par Grand Lyon Habitat et les différents financeurs de cette opération pour faire en sorte que cette opération soit exemplaire. Et je suis certain que la rénovation de ce patrimoine historique et d'utilité publique rendra notre ville encore plus belle, attractive, engagée dans une politique de logement durable, abordable et de qualité pour tous, ce qui est, j'en suis convaincu, notre ambition commune. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le maire, voilà une réponse particulièrement exhaustive, mais qui est à la hauteur, qui est à la hauteur du projet en cours et de la mémoire de ce quartier. La question suivante, alors, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, la deuxième question sera posée par madame Marie-Odile Fondeur. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet urbain partenarial Berlier, qui concerne le tènement des anciennes usines du constructeur automobile et s'étend sur 2,7 hectares, prévoit la construction de plus de 600 logements d'ici 2019. Certains ont d'ailleurs déjà été livrés et sont occupés. Cette dynamique immobilière s'inscrit dans un contexte de hausse démographique continue sur le 8e arrondissement, avec en moyenne 1000 habitants supplémentaires chaque année. Cette hausse nous astreint à des efforts constants en termes d'équipement public afin de répondre aux nouveaux besoins des familles. Voirie, espaces verts, équipements sportifs, établissements d'accueil petite enfance ou encore groupes scolaires. La demande se fait parfois pressante. C'est dans ce contexte que des équipements publics programmés sur ce quadrilatère en mutation doivent être mis en service dans les mois et années à venir. Pourriez-vous, monsieur le maire, nous dresser un point d'avancement du projet et nous confirmer le calendrier des opérations, notamment au sujet des deux équipements publics qui sont vivement attendus par les habitants du 8e arrondissement. Merci. Merci. C'est notre collègue Michel Lefaou qui répond. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le maire du 8e arrondissement, mes chers collègues, le 8e arrondissement est le deuxième arrondissement le plus peuplé de Lyon et subit depuis des décennies de profondes mutations urbaines. Son emplacement fait de cet arrondissement la porte d'entrée est du centre de la métropole et lui permet de profiter d'un réseau de transport collectif efficace qui s'est largement renforcé depuis les années 2000. Cette bonne desserte, accompagnée de traitements de qualité de l'espace public et d'opérations de renouvellement d'envergure, la ZAC Berthelot Épargne, la ZAC Valeo, la ZAC Mermoz Nord, l'importante dynamique urbaine sur le secteur du Grand Trou Moulin à Vent transforme petit à petit l'image du 8e arrondissement. Dans le cadre du SCOT de l'agglomération, le territoire centre doit poursuivre sa croissance résidentielle et économique en affirmant le rayonnement de grands sites d'intérêt métropolitain. Le 8e arrondissement, moins dense que certains quartiers constitués lyonnais du centre, dispose encore de réserves foncières pour poursuivre son renouvellement et participer ainsi au développement de la métropole, tout comme les autres arrondissements du croissant est lyonnais. Je veux bien évidemment faire référence au 7e et 3e arrondissement. Dans ce contexte, la métropole et la ville de Lyon ont souhaité se doter des outils pour accompagner ce fort développement par le financement des équipements publics nécessaires aux nouveaux habitants. Le PUP Berlier, en plein développement, est un bel exemple de mise en œuvre de ces outils. Ce projet est ambitieux puisqu'il prévoit la construction de quasiment 50 000 m² de logements, commerces, bureaux, d'un bowling relocalisé, et ceci dans un secteur à la croisée de deux lignes de tramway. À ce jour, 378 logements ont été livrés, 123 le seront entre juillet et septembre de cette année. La dernière opération de construction de logements et de bureaux se situe sur l'emprise du bowling libéré, actuellement en démolition. Cet ensemble de 145 logements, une salle de sport et des bureaux sera livré entre avril et juillet 2019. Parallèlement, la métropole réalise les infrastructures de voirie et d'espaces publics qui desservent l'opération. La rue de la Fraternité et la partie sud de la rue Saint-Gervais sont en cours de travaux. La ville de Lyon, de son côté,
a engagé son programme d'équipement public. Une crèche de 48 berceaux ouvrira à l'automne prochain. Pour ce qui concerne l'école, le choix de l'équipe de conception-réalisation, entretien et maintenance vous est proposé aujourd'hui à la validation et nous le verrons tout à l'heure dans une délibération. Le jury a fait le choix du groupement FH Construction associé à l'atelier Didier Dalmas avec un objectif de livrer ce groupe scolaire pour la rentrée 2019. 22 berceaux et 3 classes sont directement financés par les participations payées par les opérateurs. Le bilan de l'un des premiers PUP est aujourd'hui positif et nous donne les pistes pour encore améliorer nos modalités de négociation avec les opérateurs. Les PUP que nous signons ces derniers mois maintiennent une ambition forte en matière de qualité de plan masse, d'architecture et de dimensionnement au plus près des montants des participations dues au titre des équipements publics induits. Le financement est sans commune mesure avec ce que nous pourrions récolter par la simple taxe d'aménagement. Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter de maîtriser cet outil de production de la ville et je tiens ici à remercier tous les opérateurs immobiliers qui jouent le jeu et qui s'engagent à nos côtés en faveur d'un urbanisme qui intègre les besoins de financement d'équipements publics. Je vous remercie. Merci. Monsieur Christian Coulon, vous avez la parole pour la troisième question. Merci, monsieur le maire. Le projet de nouveau centre social sur le site de l'ex-maison du peuple avance. Le programme est élaboré en lien avec les acteurs du quartier, notamment les écoles et les associations. Le conseil d'arrondissement se réjouit de l'arrivée de ce nouvel équipement et d'un centre social à part entière sur le quartier, offrant une surface plus vaste, comprenant notamment une offre d'accueil petite enfance et des locaux associatifs. Toutefois, les habitants du quartier Langlet-Santi s'inquiètent de la disparition du local du centre social situé au cœur de la résidence Maurice Langlet. Et le nouveau site leur semble éloigné et difficile d'accès. Pourriez-vous, monsieur le maire, nous donner des éléments capables de rassurer les habitants quant à leur association étroite à ce projet, en lien avec les acteurs du quartier, et nous confirmer que les cheminements favoriseront l'accès au nouveau site situé avenue Gérald Frère depuis le quartier Langlet-Santi. Merci. C'est monsieur Charles-Franck Lévy qui va vous répondre. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, la relocalisation du centre social est effectivement indispensable pour répondre pleinement aux besoins des habitants du quartier. Je vous rappelle que la surface actuelle du centre social est seulement de 212 mètres carrés et que sa capacité de développement et son offre d'activité sont de fait limitées. Le local occupé aujourd'hui va donc laisser la place, et vous avez rappelé le descriptif du futur équipement, à un nouvel équipement. Cependant, les questionnements que vous avez exposés, monsieur le maire, sont tout à fait légitimes. Le travail de concertation qui va être mené d'ici l'ouverture de cet équipement sera de nature à rassurer les habitants, à leur donner les preuves concrètes de la facilité d'accès et de transformer naturellement les habitudes acquises aujourd'hui. Ce travail a déjà débuté avec le Centre social des États-Unis, qui ne ménage pas les efforts pour associer à la démarche les partenaires associatifs et les habitants du quartier. Le Centre social des États-Unis sera bien sûr au cœur du dispositif et nous a indiqué, dès la première évocation du projet, souhaiter travailler avec les habitants tout au long du processus d'étude et de réalisation du futur centre. L'association s'est engagée dans une démarche sur trois aspects. Une communication sur son engagement dans ce processus en direction des usagers du centre social Santi, à travers notamment un questionnaire diffusé pendant la fête de quartier, des lettres d'information du centre social diffusées également largement. Autre point, la participation au travail d'écriture du cahier des charges du futur bâtiment avec les services de la ville et le programmiste. Et enfin, le lancement de la concertation avec les associations à la fois du côté Maison du Peuple et du côté Santi. Cela s'est concrétisé par une rencontre, par exemple, entre les présidents et directeurs des centres sociaux États-Unis, l'ANEC, Mermoz, MJC, l'ANEC, Mermoz et la ville de Lyon en juin dernier et par le lancement d'un groupe projet en collaboration avec la CAF. Le centre social est bien sûr partie prenante et lors du dialogue de gestion que nous avons eu le 6 juillet dernier,
Nous avons demandé au centre social de nous proposer des dates pour la tenue d'une réunion publique à la rentrée pour présenter le projet aux habitants et répondre notamment à ces interrogations. Bien sûr, il s'agit de tenir compte de la perception des habitants et nous réfléchissons au maintien d'un espace dédié au centre social au cœur du quartier. Plusieurs pistes sont étudiées à ce sujet. Tout d'abord, la question, vous l'avez précisé, monsieur le maire, des cheminements et du maintien d'un ancrage du centre social sur le quartier. Concernant l'aménagement d'un cheminement piéton amélioré du quartier Santi vers le nouvel équipement, la seule voie d'accès public pour aller de la résidence Maurice Languet vers le futur équipement est la rue Florent, qui se situe à l'est de la résidence, et de deux autres voies d'accès possibles et plus directes vers la rue Général Frère, que vous connaissez, sont également des voies privées comme la rue des Roses et le passage Comtois. Les démarches pour étudier l'amélioration de la circulation piétonne vers le futur équipement sont en cours. Et en effet, le quartier est inscrit, comme vous le savez, dans le cadre du renouvellement urbain en priorité régionale. Et nous envisageons donc de redonner une traversière lisible à l'échelle du piéton. Et nous veillerons à ce que les usagers puissent faire part de leur expérience sur ce sujet. L'autre point que vous soulignez, monsieur le maire, concerne le maintien d'un ancrage du centre social sur le quartier Languet-Santi. Ce maintien est important, mais il ne peut être conservé, vous l'avez donc bien compris, sur la même localisation qu'aujourd'hui. Par contre, il s'agit de travailler à une présence du centre social auprès des familles. Tout d'abord, pour vous rappeler que le centre social est un partenaire important de l'école Jean Giono, dont il assure l'ALAE, et demeure présent notamment dans les actions liées à la parentalité sur le quartier. L'autre volet est une présence associative renforcée à l'intention des habitants, notamment à travers une structure qui va ouvrir à l'automne prochain au niveau du 108 avenue Paul Santi. Le local fait actuellement l'objet d'une occupation, il fera l'objet d'une occupation mutualisée entre le centre social Maurice Languet, l'association Les Petites Cantines, les associations ARCEP et Art et Développement qui interviennent également sur le quartier. Ce local serait de nature à favoriser la transition vers le nouveau centre social, mais également de maintenir un lien de proximité au cœur de la résidence Maurice Languet. Ce local nécessite des travaux, le projet est toujours en cours de définition avec les structures précitées et un architecte, et c'est bien le centre social des États-Unis qui portera le bail pour l'ensemble des associations. Monsieur le maire, donc vous avez bien noté notre souhait de mettre en lien familles, habitants, associations, tous les acteurs du quartier, tout ceci afin de construire un véritable projet associatif pour ce futur centre social qui sera bien destiné aux habitants de Languet-Santi, mais qui sera aussi l'une des premières pierres de la réhabilitation du quartier Mermoz-Sud. Merci. Je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant à l'examen de notre ordre du jour. Je voudrais préciser que, par souci de continuité dans l'instruction des dossiers, j'appellerai pour rapporter les dossiers les rapporteurs désignés lors de l'instruction en commission sans changement, à moins que ces derniers ne soient absents ce jour. Nous avons pris cette option et, en conséquence, pour ce qui me concerne, je serai amené à rapporter les dossiers relevant de mon ancienne délégation de premier adjoint, adjoint à la culture. Et je rajouterai qu'en fin de séance, je vous communiquerai les contours des délégations des membres de l'exécutif que vous avez élus hier. Donc, je rapporte la première délibération 31-11 concernant les deux conventions sur les usages numériques de l'édition entre la ville de Lyon et l'ADEPGP pour les établissements culturels. Il y a une demande de temps de parole. Monsieur Broliquet, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Autant vous prévenir tout de suite, les élus UDI et apparentés vont être extrêmement interrogateurs aujourd'hui sur des sujets sur lesquels les conseillers municipaux et les Lyonnais ont besoin de connaître votre positionnement et notamment votre positionnement en tant que nouveau maire de Lyon. Alors, à l'occasion de cette première délibération du premier conseil présidé par vos soins, j'ai souhaité prendre ce temps de parole afin d'évoquer un sujet qui est depuis bien longtemps mis volontairement à l'écart par l'exécutif lyonnais. Il s'agit de l'inventaire des équipements de proximité transférés aux mairies d'arrondissement. Votre prédécesseur avait décidé unilatéralement de ne pas respecter la loi en totale négation de l'article 25-11-21 du Code général des collectivités territoriales. En effet, il a pendant plusieurs mois refusé dans un premier temps de dresser l'inventaire des équipements de proximité dont la gestion devait de droit être transférée aux arrondissements,
Puis il a également adressé une fin de non-recevoir à toutes les demandes qui lui ont été faites afin de réunir la commission mixte paritaire chargée d'élaborer ses inventaires. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation qu'il y a un an et demi, où plusieurs maires d'arrondissement avaient été lanceurs d'alerte sur cette anomalie lyonnaise. En mars dernier, nous avions cru voir le bout du tunnel lorsqu'un projet de délibération faisant l'état de ces inventaires avait été présenté en commission thématique. Cependant, pour des raisons plus que discutables, il fut décidé de repousser au calendrier grec leurs élaborations. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Quand les commissions mixtes seront-elles réunies ? La loi sera-t-elle enfin respectée à Lyon ? Monsieur le maire, pouvez-vous nous dresser un échéancier précis sur ce dossier ? Si vous souhaitez administrer cette ville avec une gouvernance différente, plus démocratique, comme ça vous l'a été demandé hier, il est nécessaire de revenir dans le giron du CGCT. Sortons rapidement de cette situation ubuesque, c'est dans tous les cas notre volonté. Votre gestion de ce dossier donnera le ton du rapport que vous souhaitez mettre en place entre la mairie centrale d'une part et les mairies d'arrondissement d'autre part. Merci pour les précisions que vous apporterez à l'ensemble des élus municipaux sur ces questions. Merci, Monsieur Broliquier. J'avais essayé de deviner quel sujet vous aborderiez derrière cette délibération. Oui. Non, mais vous aviez d'autres occasions ou d'autres délibérations plus propices, mais c'est la première partie du feu d'artifice que vous avez décidé de lancer, dont acte. C'est une question évidemment très importante. Je pourrais d'ores et déjà vous renvoyer à l'étude qui a été débutée, initiée par Guy Corazon, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Lyon reste très fidèle à l'application de la loi et du droit, donc... Cette question est à mon ordre du jour. Nous en avons même parlé hier soir, donc après le Conseil. Donc je pense que vous aviez déjà vous-même abordé ou entrevu cette question dans votre intervention. Donc je pense que nous aurons effectivement dès l'automne des réponses à vous apporter pour réfléchir ensemble sur la manière de garder en même temps l'esprit, le respect de la loi, l'esprit de cette ville, de combiner et de créer aussi une harmonie entre tous ces arrondissements et la mairie centrale. Donc, vraiment question à l'ordre du jour. Donc, promis, réponse à l'automne, nous travaillerons avec toutes les composantes et toutes les mairies de notre ville. Et je vous remercie. Alors, l'autre question délibération qui appelle une prise de parole, c'est celle concernant une convention d'objectifs quadriennal 2017-2020 entre la Maison de la Danse et ses partenaires financiers, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon. Et c'est M. Luc Lafont qui a demandé un temps de parole au nom du groupe UDI. J'en ai sauté une. Retiré, Monsieur le maire. Ah oui, j'ai pas fait voter, pardon. Je reviens à la délibération précédente. Vous voyez, cher Denis Broliquier, j'étais tellement pensé que nous étions d'accord que j'en avais oublié de faire voter la délibération. Donc, qui est pour ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Elle est adoptée. Donc, hop, j'ai entendu que M. Lafont avait retiré le temps de parole. Je vous remercie. Et nous avançons sur une convention de partenariat entre la ville de Lyon, le musée des Beaux-Arts et l'école du Louvre. Ah oui, il faut que je la mette au voix aussi. Ça va venir. Jamais 203, donc il m'en reste une et après j'arrêterai. Je mets donc le rapport aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, nous en venons à cette convention de partenariat entre le Musée des Beaux-Arts et l'École du Louvre pour l'organisation de cours d'histoire générale de l'art. Là aussi, je sens que la question qui va venir n'est pas directement en rapport avec le Louvre. Monsieur Denis Broliquier, peut-être ? Merci, monsieur le maire. Un rapport sur un musée, immédiatement, mon esprit est en éveil et
au sujet de l'urgence patrimoniale et culturelle que représente le musée des tissus et des arts décoratifs. Puisqu'à la suite du rapport d'étape du cabinet d'Extinso, qui a été rendu fin mai, les différents acteurs du dossier ont décidé de se réunir afin de convenir d'une solution. Et le 5 juillet dernier, l'État, la région, la CCI, Unitex, la ville de Lyon et la métropole se sont donc retrouvés autour de la table de négociation. La ville de Lyon et la métropole, il faut bien le reconnaître, à marche forcée, comme depuis le début sur ce dossier. Il ressort néanmoins de cette rencontre que des solutions se dessinent, enfin, j'allais dire. Deux hypothèses ont été évoquées, mais il semble que le plan de sauvetage proposé par la région et la CCI, à savoir le maintien des musées dans leur autonomie, dans leur hôtel particulier de la rue de la Charité, soit le plus plausible. Nous nous en réjouissons, c'est en effet la solution que nous défendions depuis plusieurs mois. Et dans cette perspective, la CCI céderait ces deux hôtels à l'euro symbolique contre l'engagement de la prise en charge des investissements. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes fait savoir qu'elle était prête à être chef de file. Il faut saluer cet engagement considérable de la région qui fait preuve d'une grande responsabilité envers notre patrimoine. Un engagement qui, il faut bien le reconnaître, aura été le déclencheur des avancées que nous connaissons aujourd'hui. Alors la plupart des acteurs présents à la réunion du 5 juillet se sont engagés autour d'un projet très novateur, une vitrine de notre patrimoine et de nos savoir-faire, tant en matière d'artisanat que de haute technologie pour sauver les musées, des tissus et des arts décoratifs. Deux opérateurs manquaient pourtant à l'appel lors de cette mobilisation générale, c'était la ville de Lyon et la métropole. Et je m'adresse là autant à vous, monsieur le maire, qu'à vous, monsieur le président de la métropole, je ne sais pas s'il nous a rejoints. Vos collectivités ne peuvent se tenir en marge d'un projet à forte capacité de rayonnement et dont elles sont les premiers bénéficiaires. Que l'on se place d'un point de vue patrimonial, économique, culturel, scientifique, touristique, ce serait un non-sens que de ne pas s'engager. Car nos musées et le projet qui se dessine seront à la croisée de tous ces domaines pour apporter une dynamique supplémentaire à notre territoire. Autre président, autre maire, autre mœurs aussi, messieurs Kimmelfeld et Kepenekian, il est aujourd'hui de votre responsabilité de sceller la résurrection ou la mort de ces musées. Il faut maintenant aller vite, car l'idée est de lancer le projet en septembre. La réunion du 20 juillet, dans quelques jours, jeudi, sera donc la réunion de la dernière chance. Alors, au nom des Lyonnais, au nom de l'histoire de notre ville, au nom des 130 000 signataires aussi de la pétition, nous vous le demandons solennellement, ne laissez pas passer cette chance. Merci de votre écoute. Je vais bien sûr vous répondre. Je voudrais quand même, avant cela, corriger les petites phrases sibyllines que vous glissez dans votre propos, c'est-à-dire qu'on est à marche forcée, qu'on n'est pas intéressé, que ça, je ne peux vraiment pas l'accepter, parce que s'il y a une personne ici qui, depuis 4 ans, essaye de s'occuper de ce musée, avec des outils peut-être pas ceux seulement de la pensée unique, mais en essayant d'inventer un nouveau projet, je veux en porter la responsabilité. Pour faire avancer des sujets, il faut être plusieurs, et il faut être plusieurs en phase. Donc cela étant dit, je ne veux pas vous laisser dire qu'on est absent. Si nous ne sommes pas allés le 5, en tout cas les élus, c'est que nous n'étions pas en situation de prendre des décisions. Nous l'avons fait savoir, mais nous étions représentés par nos services, et nos services avaient parfaitement l'autorité pour dire et écouter et entendre ce qui avait été dit, puisque la réunion du 5 ne devait pas être une réunion de décision, mais de présentation. C'est quelques mots étant dit avec un peu de passion, vous me le pardonnerez, mais je crois qu'il faut quand même qu'on corrige 2-3 idées reçues sur l'évolution de ce musée. Je voudrais quand même dire ensuite que Gérard Collomb, qui n'est pas là aujourd'hui, bien entendu, mais s'est personnellement impliqué en amont de cette période, pour trouver dans l'esprit qui est celui de notre ville, dans des combinaisons publiques-privées, des moyens de sauver ce musée. Il faut peut-être, et je le dis d'emblée, que nous inventions aujourd'hui des modèles, plus que jamais, compte tenu des contraintes qui vont peser sur toutes les collectivités territoriales, des projets qui ne passeront pas que par de l'argent public. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque une nouvelle réunion a lieu dans quelques jours,
Je tiens à vous préciser que le projet, nous avions proposé évidemment un projet. Le travail d'in extenso, Monsieur Broliquet, il a été fait essentiellement sur les propositions de nos deux directeurs de musée, de nos deux directrices. Je parle du musée des Beaux-Arts et du musée de Confluence pour ce qui concerne la métropole. C'est ça qui a été l'armature, parce que ce que nous avions en projet, c'était de permettre à ces collections de vivre et de rencontrer des publics, des grands publics, que sont plus de 300 000 visiteurs au musée des Beaux-Arts et qui sont aujourd'hui plus de 700 000 au musée des Confluences. Aujourd'hui, le projet qui est retenu n'est pas celui que nous avons proposé, qui était, vous le savez bien, de délocaliser, de trouver des moyens financiers pour permettre de faire vivre ces collections et surtout de les montrer à des publics les plus variés possibles. Pas seulement, et je respecte les 130 000 signataires de cette pétition, mais pas seulement ceux qui sont habitués et qui connaissent l'histoire de ce musée. Vous parlez de rayonnement, c'est le grand public. Je fais un raccourci, le projet actuellement proposé a comme objectif 100 000 visiteurs. Et on va dépenser plus de 30 millions de travaux pour 100 000 visiteurs. Je vous assure que ça met l'investissement par visiteur extrêmement cher. Je parle ensuite du budget qui a été prévu pour le fonctionnement. On a prévu qu'il y aurait un reste à charge de 2 millions. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 million. On passe à 2 millions, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ces 2 millions, il va falloir imaginer comment les financer. Il ne s'agit pas seulement de considérer qu'il faut conserver des collections parce que c'est le premier devoir d'un musée et d'une ville comme la nôtre et des collectivités, mais encore une fois, il ne s'agit pas juste de les conserver pour ne pas les montrer. Il faut faire vivre une collection. Il faut lui donner vraiment de l'ampleur et utiliser éventuellement le rayonnement et le travail avec d'autres musées. Notre idée de pôle muséal dans cette ville n'est rien moins que cela. Aujourd'hui, c'est ce que nous dirons, nous trouvons que partir sur de l'argent public, 20% par l'État et des 30 millions, 20% par l'État et le reste payé par la région, eh bien, nous trouvons que c'est peut-être dans un moment où les collectivités vont avoir à trouver les 13 milliards que vous avez entendus d'une manière ou d'une autre, ça va être un peu compliqué. La ville est attentive à l'évolution de ce projet. La ville est attentive à des propositions différentes. Nous ferons ces réserves le 20 juillet prochain. Nous avions décidé de toute façon que c'est en septembre que les arbitrages définitifs seraient rendus. Donc, je résume, pas d'opinion aujourd'hui, d'attitude pour dire qu'on est désintéressé. On est au contraire très intéressé, mais on essaye de garder l'esprit des projets, encore une fois, de coopération publique-privée, parce qu'il y avait des voies possibles. Donc, monsieur la région imagine de prendre en charge tout cela. Très bien. Eh bien, si elle est capable de le faire, bon acte. Nous serons contents d'avoir un musée régional dans notre ville. Je répondrai plus amplement et plus précisément à une autre occasion quand on mettra vraiment ce sujet à l'ordre du jour. Monsieur le Président, vous vouliez rajouter quelque chose ? Monsieur Broliquet, interpellé. C'est un nouvel exercice, on va s'y plier. Une de double réponse. Cela ne va pas vous étonner, la réponse va être de la même teneur que celle de Monsieur Georges Kepenekian. Il n'aura pas une feuille de papier à cigarette sur ce sujet, d'ailleurs comme sur d'autres, entre la ville de Lyon et la métropole. Je dirais simplement que pour moi, et M. Jourjon souvent le dit dans votre groupe, quand il dit qu'il y a des projets qui manquent d'ambition. Ce qui a été proposé par la région, à mon avis, est une solution qui manque d'ambition, qui se contente finalement de faire reposer la solution uniquement sur les financements publics. On ne peut pas faire ce choix de la facilité et de se contenter de ce choix-là. Je crois que si on veut, et vous êtes très attachés au musée, nous sommes très attachés au musée, si l'on veut de l'ambition pour ce musée, il nous faut un projet novateur, il nous faut un projet fédérateur. Il ne peut pas se contenter simplement d'être un projet qui s'apparente quelquefois à un coup de communication pour dire « je mets tant sur la table ». Non, il nous faut tenir compte des contraintes financières, mais tenir compte aussi, comme vous le savez, de l'ambition que nous avons pour ce musée. Et l'ambition pour ce musée, c'est un projet qui s'inscrit dans les musées du 21e siècle et pas dans les musées du passé. Voilà ce que je souhaitais en dire. Il nous faut donc continuer à travailler à travers ce que nous avons proposé, ce que la ville a proposé, ce que Georges Kepenekian a proposé quand il était adjoint à la culture. Et je pense que, et je ne doute pas un instant, que nous trouverons ensemble un terrain d'entente pour le bien de ce musée, mais pas foncièrement in situ. Voilà ce que je voulais en dire très rapidement. Merci. Merci. À suivre donc, dans tous les cas, nous aurons à
revenir sur ce sujet, bien évidemment. Je propose ensuite donc de passer à la délibération 31-33 concernant... Je dois voter, faire voter. 3. Stop. C'était la troisième. Je vais prendre des cours du soir encore. C'est la dictature, ça. Je vais répéter tous les soirs. Je mets donc au vote cette délibération, au demeurant, concernant le musée des Beaux-Arts et l'école du Louvre, qui reste un vrai sujet. Qui est pour ? Qui est contre ? Merci. Donc, la délibération suivante concerne la charte de coopération culturelle de Lyon-Ville durable 2017 à 2020. Et c'est une demande d'autorisation de signature de cette quatrième édition de la charte. Et Madame le groupe Lyon Gauche Solidaire a demandé la parole. Madame Nicole Guay, vous avez la parole. Je suis là. Monsieur le maire, ça fait un drôle d'effet de se retrouver à gauche. Ah, tiens, intéressant. Monsieur le maire, chers collègues, la charte de coopération culturelle est née en 2004 d'une volonté forte d'introduire un volet culturel dans la politique de la ville. Cette volonté s'appuie sur la conviction que la culture est essentielle dans le développement des quartiers et l'épanouissement des habitants, que la culture doit avoir sa place dans chaque projet de renouvellement urbain, que la culture est un outil de développement des solidarités. Cette charte partait aussi du constat que si l'art et la culture sont utiles pour le développement des territoires, nos institutions n'y étaient pas présentes. Une absence d'autant plus regrettable que ce réseau institutionnel représentait 98% du budget de la culture. Il fallait donc pouvoir utiliser ce droit commun. Il a donc fallu mobiliser le réseau des institutions, une mobilisation de savoir, une mobilisation de compétences, une mobilisation de moyens, une mobilisation au nom de leur mission de service public. 13 ans après cet acte fondateur, la charte s'engage dans une nouvelle aventure humaine avec un nouveau nom, la charte de coopération culturelle ville durable. Les chartes numéro 2 et 3 n'avaient déjà cessé d'élargir leur champ d'action, notamment aux questions d'insertion, d'éducation, d'éco-responsabilité. Avec cette quatrième étape, son champ d'action s'élargit encore, son ambition étant de placer la culture au cœur de toutes les politiques de la ville de Lyon. Et cela tout en gardant notre priorité, que les politiques mises en œuvre bénéficient au plus grand nombre et que personne ne soit laissé de côté. Aujourd'hui, le volet de la politique de la ville s'équilibre avec le reste des engagements. Mais dans la quatrième charte, il y a 140 engagements, rien que sur la politique de la ville, contre 60 en 2004. Donc les actions à destination des quartiers et des publics prioritaires augmentent en volume. Sans valeur contractuelle, la charte n'est pas contraignante. Mais la voter en conseil municipal, signée par tous les financeurs, lui donne du poids. Et sa force vient justement de ce qu'elle n'est pas une contrainte, elle est un engagement qui se fonde sur des valeurs partagées et qui crée une émulation collective, une culture commune. 5 nouveaux partenaires rejoignent la charte et portent à 26 les établissements et structures culturelles qui s'engagent. Les MJC et les centres sociaux constituent quant à eux le réseau de base et contribuent à l'écriture de projets culturels de territoire. Cette charte est exemplaire à plusieurs niveaux, nous en relevons au moins 2. Les engagements des partenaires se font sans budget supplémentaire et cela dans un contexte de baisse globale des financements. L'impact le plus lourd vient du retrait de la région. Et malgré ce resserrement des moyens, le nombre d'engagements est plus important et il y a ainsi une progression de la mobilisation du droit commun de la culture pour la politique de la ville. Deuxième aspect de cette exemplarité, le travail en transversalité avec les élus et les services. La charte croise le plan d'action égalité, par exemple femmes-hommes. Citons en exemple les journées du matrimoine avec le musée Gadagne et l'association HF. Elle touche aussi à l'accessibilité par des actions de toutes nos institutions culturelles pour accueillir tout type de handicap. Elle participe au plan climat-énergie territorial et elle converge avec le rapport sur le développement durable à la ville de Lyon. La réussite de cette quatrième charte nécessite de disposer des moyens humains correspondant à ses ambitions.
suivre, adapter, rectifier sont les trois actions nécessaires pour évaluer les territoires et les engagements. Cette charte de coopération culturelle est très singulière. Inventée à Lyon, son nom et son principe sont maintenant repris ailleurs. Elle est prise comme référence dans la métropole lyonnaise, mais aussi en France et en Europe, encore un modèle lyonnais qui s'exporte. À l'occasion du vote de cette quatrième charte, nous voulons saluer les élus qui ont soutenu cette initiative dès 2001. Notre précédent maire Gérard Collomb, Patrice Béguin, Pascal Boniel-Chalier et mon ami Louis Lévesque. Et bien entendu Georges Képenikian qui a poursuivi et approfondi ce travail. Nous voulons aussi saluer Marc Villarubias qui pilote la charte depuis son début et toute son équipe de la mission de coopération culturelle. Nous les remercions pour ce travail remarquable, riche de promesses pour nos quartiers, riche de liens pour notre ville, riche de découvertes pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicole, c'est très bien dit, bien résumé, bien ramassé. Merci. Je mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Les dossiers suivants, à partir de 31-13, ont reçu l'approbation de la commission et il n'y a pas donc de temps de parole. On va les voter puisque la dernière, la 31-43, va appeler un vote séparé. Donc jusqu'à la 31-42, je mets aux voix ces délibérations. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Sur la 31-43, qui concerne donc les attributions de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens, au titre de l'exercice 2017, pour un montant total de 50 250. Il a été demandé par le groupe Les Républicains et apparentés Ensemble pour Lyon un vote séparé sur la subvention concernant l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, Antenne Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le centre LGBTI. Face à cette demande, eh bien, nous allons statuer. Je l'ai accepté, mais je voudrais vraiment, pour ma part, souligner, avant que nous votions, le travail important depuis des années qui est réalisé par le monde associatif pour la communauté LGBT dans notre ville, qui en fait d'ailleurs une ville également très repérée et modèle pour ce suivi. Nous apportons depuis des années un soutien à ces associations qui se sont regroupées au sein du centre LGBT de Lyon, et elles mènent une action importante dans tous les aspects de la vie sociale, dans le sport, l'information juridique, la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, ces questions reviennent vraiment très, très importantes et doivent être prises en charge. Également, la parentalité. Ces aides sont restées stables et habituellement, il s'agit pour nous d'un soutien que nous voulons global, représentant notre politique de lutte contre les discriminations. Cela étant dit, je vous propose donc, comme cela a été demandé, je mets d'abord aux voix cette subvention en particulier, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et je mets donc ensuite aux voix. Je mets aux voix le reste du dossier. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Nous en venons aux communications concernant M. Jean-Dominique Durand. Pour vos délibérations, chers collègues. Favorable de la commission, Monsieur le maire, je voudrais néanmoins attirer l'attention du conseil municipal sur la délibération 31-12 portant sur la rénovation de la galerie Philibert de l'Orme située rue Juivry.
Ce grand architecte de la Renaissance, né à Lyon, dont la statue orne la fontaine des Jacobins, nous a laissé ce chef-d'œuvre absolu réalisé à seulement 22 ans. Il s'agit d'une galerie sur trompe, suspendue autour d'une cour centrale permettant l'accès aux différents corps de bâtiments. La ville soutient avec l'État la rénovation de cet ouvrage, classé monument historique en 1920. Il constitue en effet au cœur du secteur UNESCO un élément majeur de notre politique patrimoniale urbaine. Les allées et la cour intérieure qui conduisent à la galerie ont fait l'objet de l'une des toutes premières conventions Cour-Traboul et elle est l'un des éléments majeurs d'attractivité dans le Vieux-Lyon. Mais l'immeuble est propriété de la SIC Habitat Rhône-Alpes qui assure la présence d'un habitat social dans ce bâtiment historique exceptionnel permettant à ce quartier de n'être pas seulement un lieu touristique mais un quartier bien vivant et c'est là pour nous un enjeu majeur. Nous veillons du reste à ce que les relations entre les locataires, la SIC et les contraintes d'ouverture au tourisme soient tout à fait apaisées. Merci. Je mets donc aux voix l'ensemble, cet ensemble de délibérations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons au dossier de M. Jean-Yves Sécheresse. L'adoption d'un tarif de stationnement pour l'autopartage en libre service intégral, le free floating. Oui, monsieur le maire, il s'agit du retour du free floating dans la ville de Lyon. C'est LPA qui va être la société qui va mettre en œuvre ce free floating. Les Lyonnais, à la rentrée de septembre, seront largement informés et petit à petit, le service rentrera dans sa pleine puissance et au fur et à mesure, de plus en plus de véhicules seront proposés aux Lyonnais. Mais Madame Chevalier va nous en dire plus concernant l'ensemble des propositions qui sont liées à ces phénomènes d'autopartage. Avis favorable de la Commission, Monsieur le maire. Vous avez la parole, Madame Chevalier. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, merci de me donner la parole. L'autopartage permet de réduire le taux de motorisation des ménages adhérents au système d'autopartage. C'est ce que confirme d'ailleurs la dernière enquête nationale qui a été publiée en mai dernier et qui indique qu'avant d'être abonné, environ un tiers de personnes ne possédaient pas de voiture, alors qu'ils sont trois quarts à ne pas posséder de voiture une fois qu'ils ont adhéré au système d'autopartage. Cette baisse est également valable pour les ménages possédant une voiture, mais aussi deux voitures et plus. On retrouve le même résultat pour le système Cities de LPA, qui lui est un système d'autopartage en boucle, à savoir que la voiture est prise et reposée dans la même station. L'effet de démotorisation est un peu moins fort pour Bluely, qui lui est un système d'autopartage one-way, où la voiture donc est prise là dans une station et reposée dans une autre. L'autopartage permet aussi d'améliorer la qualité de l'air. On a des voitures électriques pour Bluely, des voitures thermiques récentes pour Cities de LPA. Là, je crois qu'on va aussi avoir des voitures récentes, d'après ce qui nous a été dit en commission. On a des abonnés qui utilisent plus fréquemment les autres modes de déplacement, donc soit les transports en commun, le vélo, la marche à pied. Un nombre de kilomètres parcourus en voiture qui est moins important et un taux de remplissage moyen de 2 personnes par véhicule. Il faut savoir que pour une voiture ordinaire, c'est 1,3 personnes par véhicule. C'est donc un système vraiment bénéfique pour l'environnement et à ce titre, le soutien et de la métropole et de notre ville sont importants. Le nouveau système proposé, donc, qui est de free floating, est intéressant car il ne nécessite pas d'investissement pour l'installation de stations. C'est donc LPA, comme vient de le dire Jean-Yves Sécheresse, qui mettra en place ce nouveau service à l'automne. Le fait que ce soit LPA devrait permettre aussi une plus grande visibilité de son service Cities pour d'autres types d'usages. On voit bien que les usages sont différenciés selon les systèmes d'autopartage. Et donc, nous l'espérons, au final, une démotorisation plus forte que les systèmes one-way. Les indicateurs que transmettent chaque année les opérateurs permettront de mesurer cet effet. LPA est labellisé Lyon Ville équitable et durable. Le développement proposé de son activité, donc de ce nouveau service, va bien dans le sens de cette démarche.
Enfin, nous vous rappelons l'intérêt qu'aurait notre collectivité à s'abonner à un système d'autopartage, et on pense au système Cities LPA ou d'autres, ce qui lui permettrait de diminuer son parc de véhicules, et c'est une piste d'économie à laquelle il faudra songer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Sécheresse. Oui, monsieur le maire, trois dossiers qui ont obtenu un avis favorable de la commission. Juste un mot sur celui qui concerne le centre d'accueil des familles. Vous le savez, après les attentats de novembre 2015, l'État avait préconisé un certain nombre de mesures, et en particulier le fait que partout des centres d'accueil des familles puissent être mis en œuvre après les attentats. Lors de la manœuvre qui avait eu lieu pour l'Euro 2016, et en particulier sur la place Bellecour, vous en vous souvenez peut-être, la mairie du 8e avait été choisie pour être ce centre d'accueil des familles en cas d'attentat à Lyon. Le bilan ayant été extrêmement positif, il a été proposé que définitivement le centre d'accueil se situe dans la mairie du 8e. Je voudrais quand même personnellement remercier le maire du 8e et son équipe qui, bien entendu, ont accepté et ont fait en sorte que les choses puissent être possibles. Bien entendu, nous souhaitons que jamais ce centre d'accueil des familles puisse se tenir, mais en tout cas, le faire ainsi, c'est répondre aux nécessités de l'heure. Avis favorable de la commission, monsieur le maire. Merci infiniment. Je mets donc ces trois délibérations aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Nous passons aux délibérations de M. Lefaou. Et la première concernant la garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVEL pour la souscription de 5 emprunts. Je vous passe la parole, M. Lefaou. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit d'une garantie sollicitée par notre opérateur propriétaire, enfin, qui dépend de la ville de Lyon, en l'occurrence la SACVEL, pour produire 11 logements sur le premier arrondissement de Lyon, 10 logements en PLS et un logement en PLAI, et qui sont financés, eu égard à la différence de type de produit, par 5 emprunts et pour lesquels donc une garantie est sollicitée par la ville, auprès de la ville de Lyon. Un temps de parole est demandé pour une explication de vote, si je me souviens, pour Monsieur Remy. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, une explication de vote, car au cours de précédentes interventions au Conseil municipal, nous avons alerté sur l'inadaptation de la production de logements sociaux avec les demandes exprimées sur les territoires. Notamment André Gachet à la métropole a pu faire de nombreuses interventions à ce sujet. Nous constatons au cours de cette séance un certain nombre de dossiers qui souffrent de ce même écueil, c'est-à-dire une production importante de logements intermédiaires conventionnés en PLS, à défaut d'une production de logements véritablement sociaux conventionnés au PLAI, à l'image de cette délibération sur laquelle j'interviens, donc 10 PLS pour un PLAI. Pour rappel, le rapport PLS sur PLAI sur le premier est inverse, en fait, à la demande PLS sur PLAI. Cette situation est tellement tendue sur le premier que certains logements en PLS ne trouvent plus de preneurs. Nous ne soutiendrons donc pas cette délibération, ainsi que la suivante, la numéro 2017-3054. Nous vous demandons à l'occasion la réalisation d'une évaluation de la demande de logement social à partir des instances locales de l'habitat et des attributions de chaque arrondissement. Il s'agit simplement, en parallèle de l'intense production de logements sociaux de notre ville et sur laquelle nous nous félicitons régulièrement, de faire correspondre l'offre avec la réalité de la demande. Je vous remercie. Un élément de réponse, Monsieur Lefaou. Oui, juste indiquer quelques éléments quand même chiffrés. Pour mémoire, la production de logements sociaux sur cette ville a été multipliée par 3,5 en une dizaine d'années. Nous sommes passés d'un flux de l'ordre de 500 logements produits par an sur le territoire de la ville de Lyon à quasiment 2000 logements conventionnés actuellement.
Et sur la métropole, ça représente aujourd'hui une multiplication par deux du nombre de logements conventionnés produits sur le territoire métropolitain, avec toujours cette recherche d'équilibre, 25-50-25, 25% de la production en PLAI, 50% de la production en PLUS, 25% de la production en PLS, et avec ce souci aussi toujours réaffirmé d'essayer de coller à chaque fois, en fonction de chaque projet, à ce que l'on constate aussi sur le territoire et de faire en sorte que l'on ait la meilleure adéquation possible entre les produits proposés et la demande qui est constatée sur le territoire. Alors je souscris bien évidemment au fait qu'à certains endroits, cela ne corresponde pas complètement à la demande et qui est particulièrement importante actuellement sur le territoire de la métropole et sur le territoire de la ville de Lyon. Cela est aussi le fruit de notre dynamisme et de notre attractivité. Mais pour mémoire, je voudrais juste citer un dernier chiffre. Le nombre de logements mis en chantier sur le territoire de la métropole au titre de l'année 2016, ce sont quasiment 10 000 logements qui ont été démarrés et lancés, dont 40% en logements conventionnés. Donc, ce qui montre en tout cas l'engagement de la collectivité pour répondre à ces besoins. Et on le verra tout à l'heure au travers des différentes garanties d'emprunt. Ce sont 516 logements qui seront pour lesquels nous apporterons notre garantie au travers des différentes délibérations. Je vous remercie de ces précisions et je vous propose que nous passions au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Je vous remercie. Monsieur Broum. Il s'agit de deux rapports qui ont tous deux reçu un avis favorable de la Commission des finances. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Lefaou. Oui, monsieur le maire, donc 16 délibérations relatives à des garanties d'emprunt sollicitées par différents opérateurs auprès de la collectivité, auprès de la ville de Lyon, ce qui représente donc la production de 516 logements conventionnés au titre de ces différentes délibérations. Avis favorable de la commission sur l'ensemble de ces délibérations. Je vous remercie et qui montre bien sûr le dynamisme de notre engagement pour la construction de logements. Je vous remercie. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame Rabatel. Avis favorable de la Commission pour la construction de ce bâtiment en direction des personnes autistes, ce qui est intéressant sur la ville de Lyon et en France. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Corazol. Avis favorable de la Commission, monsieur le maire. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame Blandine Reynaud, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une convention entre la ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet de réussite éducative et la commission a donné un avis favorable à cette délibération. Alors, il y a deux demandes de prise de parole. Monsieur Broliquier. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le décret du 27 juin dernier a permis l'élargissement du champ de dérogation à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. C'est donc une nouvelle fois les rythmes scolaires qui sont remis sur la table. Aux collectivités désormais de s'organiser afin de savoir quel sera le rythme scolaire le plus adéquat sur leur territoire. Qu'en sera-t-il pour la ville de Lyon concernant les prochaines rentrées scolaires ? On se souvient d'il y a 3 ans, Lyon a opté pour le regroupement des activités périscolaires sur le vendredi après-midi. C'était un choix. L'avis des conseils d'école avait été sollicité, sans que la solution proposée d'ailleurs ne fasse l'unanimité. Les familles avaient dû s'organiser en moins de 2 mois et les animateurs avaient été recrutés dans le même délai. Aujourd'hui, le temps périscolaire a pris sa place dans l'organisation des familles. Des accueils de loisirs associés à l'école, les fameux ALAE, ont été créés. Le métier d'animateur s'est développé, les activités périscolaires proposées sont diversifiées. C'est donc tout un écosystème qui est désormais en place et qu'il est indispensable de prendre en compte dans la nouvelle formule des rythmes scolaires dont Lyon pourrait se doter. Si jusqu'ici l'ensemble des acteurs s'est contenté de cette organisation,
tout le monde est loin d'être véritablement satisfait. En effet, le mercredi matin reste sujet à l'absentéisme, notamment maternel. La fatigue des enfants est toujours présente, même si le but initial de la réforme était de l'éradiquer. Les enfants sont également désorientés dans leur rapport avec les adultes référents lorsque, dans un même lieu, l'école, des activités, des règles et des personnes changent selon le moment de la journée. C'est donc les rythmes scolaires de la rentrée 2018 qu'il faut dès à présent préparer. Le groupe UDI apparenté propose que dès septembre, une large concertation soit mise en place pour dresser un état des lieux, des avantages, des inconvénients de la réforme, en s'appuyant notamment sur les rapports du comité de suivi et sur le rapport de la mission d'évaluation. Il est indispensable d'avoir une approche non partisane, non idéologique sur cette question si importante. Il faut savoir reconnaître ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, afin d'apporter des pistes d'amélioration concrètes, ayant pour ligne directrice de permettre à l'enfant de disposer du meilleur moment pour les apprentissages. La conservation des rythmes actuels ou le retour stricto sensu à la semaine des 4 jours ne sont pas les seules alternatives. Une troisième voie est possible en ayant toujours comme objectif principal d'apporter de nouvelles solutions au service du bien-être de l'enfant. Pour cela, le groupe UDI apparenté propose que soient associés dans ce processus de décision les familles à travers les conseils d'école. Les représentants des fédérations de parents, les MJC, les maisons de l'enfance, les enseignants devront également être associés à ce débat. La collecte de l'ensemble des avis des acteurs du secteur permettra de choisir sereinement la solution la plus bénéfique à l'enfant et de préparer au mieux sa mise en place ainsi que les changements qu'elle occasionnera. Ne pas saisir cette occasion serait une solution de facilité. Les élus UDI sont prêts à participer à cette réflexion. L'occasion est trop belle de remettre au centre de nos préoccupations l'enfant, afin que le nouveau rythme puisse être bénéfique à l'apprentissage des petits Lyonnais. Monsieur le maire, les élus de mon groupe souhaiteraient que dès le mois de septembre prochain soient présentées à l'ensemble des élus municipaux les conditions dans lesquelles la rentrée 2018 sera préparée, selon quelle méthode, selon quel échéancier. N'attendez pas, comme ce fut le cas en 2014, la veille de la rentrée, pour faire vos devoirs. Merci. La rentrée 2018, c'est ça ? Monsieur Jourjean ? Monsieur Guillan, pardon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le 29 mai dernier, j'avais dans cette enceinte sollicité votre prédécesseur sur 2 problématiques liées à l'école. La réponse était, comme à son habitude, de quelque peu évasive, j'en ai parlé hier. Le temps a passé, vous êtes devenu maire, l'adjointe à l'éducation n'est plus, et des éléments nouveaux sont arrivés. Je vais donc revenir sur ces 2 problématiques avant que vous puissiez, monsieur le maire, nous apporter vos réponses, puisque si vos adjoints ont été élus hier, nous n'en connaissons pas encore les délégations. Ces 2 problématiques étaient le dédoublement des classes CP en REP+, et la réforme des rythmes scolaires. Sur le dédoublement des classes de CP, l'adjointe alors en charge de l'éducation parlait de 21 à 27 classes il y a un petit mois. Au regard des créations d'emplois que vous nous présentez en fin de conseil, il semble que nous soyons plutôt sur 27 classes. Pouvez-vous nous indiquer les impacts budgétaires, tant en termes de moyens humains qu'en termes d'adaptation des locaux ? Je pense qu'en un mois et demi, les services ont eu le temps d'affiner ces évaluations budgétaires. Puisque la volonté présidentielle a vocation à s'étendre aux classes de CP en REP et de CE1 en REP+, et REP l'année prochaine, il nous semblerait utile que vous puissiez nous communiquer les impacts globaux de la réforme lorsqu'elle sera menée à son terme. Impact pour notre ville, bien sûr. Les impacts pour l'éducation nationale n'étant pas de notre compétence, même s'ils seront réels, puisqu'on va manifestement déshabiller Paul pour habiller Pierre en affectant les maîtres plus à ces dédoublements de classe. Maître plus qui, auparavant, intervenait en renfort de la maternelle au CM2, et qui, pour 84 d'entre eux dans le Rhône, vont se consacrer aux seuls élèves de CP en REP+. Sur la réforme des rythmes scolaires, la publication récente d'une étude réalisée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale confirme plutôt le ressenti que nous avions sur l'organisation que vous avez souhaité mettre en place à Lyon par rapport au satisfecit que l'ancienne adjointe à l'éducation se décernait fin mai. Il ressort en effet que pour l'organisation du temps scolaire retenu à Lyon, adopté par 7% des écoles françaises, soit 8% des élèves, les élèves les plus faibles scolairement sont plus susceptibles d'être impactés négativement.
L'appréciation des parents aujourd'hui pour le rythme retenu à Lyon est faible. 42% en effet estiment que cette réforme est profitable à leur enfant et 72% trouvent que la fatigue des enfants est accrue. Si effectivement on peut penser qu'une amélioration a été apportée au niveau de la pause méridienne, le choix du vendredi après-midi ne nous apparaît pas pertinent et son utilité pose réellement question, tant dans l'effet sur les enfants que dans son coût. L'annonce hier par le président de la République et le Premier ministre de porter des économies à réaliser par les collectivités de 10 à 13 milliards d'euros ne fait que renforcer notre questionnement sur notre capacité, sur la capacité de notre ville à continuer sur une voie en forme d'impasse. Je réitère donc, Monsieur le maire, mes interrogations précédentes quant aux évolutions envisagées de l'organisation du temps scolaire. Quelles sont vos intentions? Comment comptez-vous vous y prendre? Nous ne pouvons que souhaiter que l'avis de tous, parents et communautés éducatives, soit cette fois bien pris en compte. Je vous remercie. Merci. Alors, nous aurons bien sûr à revenir sur cette question, mais je vais essayer néanmoins de donner quelques orientations. D'abord, sur la réforme des rythmes scolaires, cher Denis Broliquet, j'ai cru que vous étiez devenu maire, parce que c'est exactement ce que j'allais proposer comme démarche. Donc, nous allons être en phase. Dès le mois de septembre, nous mettrons en œuvre cette concertation, aussi large que possible, mais qui devra, je vous le rappelle, aboutir avant la fin de l'année, si nous voulons que, contrairement à ce que vous disiez, nous ne nous mettions pas en marche juste la veille de la rentrée. Donc, nous aurons ces 3 mois pour essayer de concerter, de définir ce que sera l'évolution des rythmes scolaires dans notre ville, même si la loi du 28 juin donnait plus de liberté aux communes sur ce sujet. Nous avons considéré que nous avons près de 200 écoles à Lyon et que modifier tout cela dès la rentrée 2017 n'était quand même pas raisonnable ni pour les parents, ni pour les enseignants et bien sûr ni pour les enfants. Nous allons donc réfléchir sur cette réforme, essayer d'y réfléchir en étant vraiment soucieux de la qualité de la prise en charge des enfants et vous l'avez évoqué, en étant loin de tout dogmatisme, de manière à pouvoir être capable de concilier les besoins du plus grand nombre des Lyonnais et les contraintes des finances publiques. Il nous faudra beaucoup écouter. C'est bien cela une concertation, même si, vous le savez bien, concerter ne veut pas dire qu'on écoute chacun. Et vous savez que sur ce sujet, il est bien difficile d'obtenir des unanimités. Donc il faudra que nous choisissions en fonction des critères que nous aurons définis. Pour ce qui est de la rentrée 2017, cette fois, concernant la réforme du passage à 12 élèves par classe, cette réforme va concerner principalement dans notre ville 19 écoles, dans le 7e, le 8e et le 9e arrondissement. Et nous avons d'ores et déjà adopté, et je m'y suis mis à marche forcée pour commencer à entrer dans ce sujet qui n'était pas le mien spontanément. Nous aurons donc en septembre 2017 9 écoles en REP+ sur les 8e et 9e arrondissements qui passeront à 12 élèves par classe. Nous savons que le travail que nous menons avec l'éducation nationale sera de créer en fait 17 classes pour la rentrée de septembre 2017 uniquement pour les CP en REP+. Ces 17 ouvertures de classes, 9 classes de CP sont possibles dans les locaux actuels, 8 classes nécessitent l'installation de 7 modulaires et aucune classe ne ferait l'objet de 2 mètres par classe en raison de problèmes de locaux. On estime donc à 6 ou 7 créations d'ETP pour l'entretien de ces locaux. Un point particulier, c'est que l'éducation nationale a demandé à la ville de Lyon de ne pas installer les modulaires sur l'école Giono dans le 8e, car pour des raisons pédagogiques, l'équipe enseignante, très volontaire, souhaite faire des CP à 24 avec 200 enseignants par classe, ce qui paraît acceptable par l'éducation nationale et donc par nos services. Voilà, un mot de budget. Total investissement pour les modulaires, cela va représenter 182 000 euros
et en fonctionnement, je vous fais le total, 239 000 euros. Ce n'est pas juste rien. Dans une période où nos finances sont sous tension, il va falloir que l'on trouve ces moyens. Les résistances existent. Vous n'êtes pas sans le savoir à ce projet. Ils sont multiples, mais nous allons essayer de tenir le cap, c'est-à-dire d'appliquer la loi dans notre ville, car ces 17 nouvelles classes, vous imaginez, vont entraîner 7 créations nettes et 10 redéploiements pour obtenir plus de maîtres que de classes. Voilà, certains enseignants trouvent aussi cette réforme un peu lourde. Bref, nous avons aussi besoin de travailler avec tous les acteurs pour arriver à mettre en œuvre cette nouvelle organisation que la loi nous impose. Voilà pour un premier niveau de réponse. Nous y reviendrons évidemment dès le mois de septembre et nous suivons ce dossier avec beaucoup d'attention tant il est important pour les enfants, les enseignants, les parents, et nous savons combien ces prises de décision sont importantes. Voilà ce que je pouvais vous dire d'ores et déjà. À suivre, en tout cas. Je mets aux voix cette proposition. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame Reynaud. Oui, Monsieur le maire, avis favorable de la commission pour les trois dossiers enfance. Je note simplement qu'il y a une attribution de subvention de fonctionnement et d'investissement pour la crèche dont nous avons parlé en début de séance dans le 8e arrondissement, dans le Puy Berlier, qui va ouvrir mi-novembre. Avis favorable de la commission, donc. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Lefaou. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de la programmation 2017 au titre de la Convention territoriale de Lyon du contrat de ville. Et donc, en l'occurrence, cela concerne le cofinancement des postes des missions territoriales qui nous servent à la mise en œuvre de la politique de la ville. Et enfin, de l'attribution d'une subvention de 87 843 euros à l'association Anciela pour la mise en œuvre de parcours de formation destinés au Conseil citoyen, subvention pour laquelle nous avons obtenu un financement exceptionnel de l'État à hauteur de 64 500 euros. Merci, Monsieur Jourjean. Monsieur le maire, chers collègues, à l'occasion de cette délibération, je tenais à saluer le travail remarquable de l'association Anciela, installée dans le 7e arrondissement au sein de la Maison de l'Environnement. Les bénévoles et animés par son président Martin Durigneux, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, accompagnent des initiatives citoyennes lyonnaises en faveur d'une société écologique et solidaire. À travers sa pépinière d'initiatives citoyennes, Anciela développe de multiples actions favorisant l'engagement citoyen et organise des activités participatives afin de mieux permettre aux citoyens d'imaginer ensemble des réelles solutions pour construire demain. Les savoir-faire et les compétences d'Anciela sont reconnus. Aussi, les élus UDI de la ville de Lyon approuvent avec satisfaction ce partenariat, permettant à cette association d'accompagner et de former les futurs conseils citoyens de Lyon implantés dans les quartiers prioritaires. Les conseils citoyens, comme cela a été rappelé, créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014, doivent permettre de conforter les dynamiques existantes et garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes. L'objectif est donc de favoriser l'expertise partagée, garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage et créer un espace de proposition basé sur les besoins réels des habitants. L'ambition est élevée. Pour nos quartiers, le succès doit être au rendez-vous. Nous avons donc là une obligation de résultat. Il est certain que l'association Anciela sera à même d'apporter son expérience et son expertise à ces nouvelles structures citoyennes mises en place. Les élus UDI apparentés seront très attentifs à l'évolution des conseils citoyens et souhaitent avoir un premier bilan d'activité de ces conseils à l'échéancier mi-2018. Je vous remercie. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Giordano.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, le premier dossier, il s'agit d'une optimisation de nos interventions en matière d'espace vert entre la ville et la métropole dans un souci d'économie. Donc, avis favorable de la commission. Et le deuxième sujet qui est important en ce qui concerne déjà l'enveloppe financière, puisqu'il fait 1 450 000 euros. Il s'agit du Clojouv, hein, Clojouv qui représente une entrée de ville historique à laquelle il convenait de donner un nouveau visage, puisque le Clojouvlis n'était plus utilisé depuis plusieurs années. La phase de concertation, elle s'est achevée, et à la demande unanime des habitants, à l'issue de cette concertation, avec le maire du 4e arrondissement, David Kilmelfeld, nous avons décidé d'une ambition plus grande pour ce site et d'élargir le périmètre en englobant les trottoirs et la rue Anselme notamment. Ces trottoirs et la rue Anselme appartiennent à la métropole, donc d'où cette convention aujourd'hui. Le projet du coup portera sur 6000 m², soit trois fois plus que la surface initialement prévue. La métropole abondera à hauteur de 800 000 euros au projet global. Et on peut dire qu'avec le jardin Carquilla, dont les travaux débuteront d'ici la fin de l'année, la création d'un skatepark porté par Yann Cuchera et la requalification du Clojouv, cela représente près de 2 millions d'euros qui seront investis sur ce secteur. Avis très favorable de la commission. Voilà. Merci. Je mets aux voix ces deux délibérations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Le Faou. Oui, monsieur le maire. Donc, trois délibérations qui ont recueilli un avis favorable de la commission. À noter la délibération 3164 relative au projet urbain partenarial GINCO, avec ce processus de financement des équipements publics, tel que je le relatais tout à l'heure dans la réponse aux questions du 8e arrondissement. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Kismoun ? Favorable. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et une demande. Ah ben oui. Donc une subvention, enfin une attribution d'une subvention de 50 000 euros au nouvel institut franco-chinois. Et j'ai un temps de parole de la part du groupe Écologie Les Verts, Madame Baume. Oui, monsieur le maire, chers collègues, le président chinois a lancé un gros programme d'investissement autour des nouvelles routes de la soie. Ces aménagements sont censés favoriser les échanges avec d'autres pays dans le cadre d'une mondialisation qui fait loi désormais. La Chine, face au repli de façade des États-Unis et à la fragilité de l'Union européenne suite au Brexit, entre autres, est incontestablement un leader mondial qui donne le la. Récemment, lors du sommet de Davos, ce même président chinois a pointé l'urgence d'une forme de soutenabilité de notre modèle de développement actuel. Cette forme de soutenabilité ne peut se faire sans êtres humains libres et conscients. Au nom de la lutte contre l'extrémisme en Chine, un peuple qui habite un pays occupé par le régime chinois fait toujours l'objet de vives répressions. Je parle des Ouïghours. Au nom du maintien de l'ordre, Liu Xiaobo, un intellectuel engagé, est mort en quasi-détention. Rappelons qu'il en est sorti quelques semaines avant de mourir, en phase terminale d'un cancer, avec interdiction de se rendre à l'étranger. Liu Xiaobo a été prix Nobel de la paix en 2010, comme vous le savez tous ici. Il fut un des leaders du mouvement de la place Tiananmen en 89. Pour revenir à l'Institut franco-chinois à Lyon, un institut lieu ressource. Il pourrait être un lieu avec un accès à une information indépendante ou, entre autres, Regard Ouïghour, qui est un journal interculturel, où ce journal pourrait être mis à disposition. J'avais, pour le groupe des écologistes, fait cette proposition l'an dernier. Force est de constater que les responsables de cette organisation n'ont ni jugé utile ou intéressant de répondre à notre proposition, ni souhaité donner accès à cette revue aux visiteurs du lieu ressource. Par ailleurs, suite au décès de cet intellectuel engagé, un geste fort pourrait être fait, à savoir proposer que cet institut franco-chinois à Lyon se nomme Louis Xiaobo. Alors à ce jour, parce que dans la programmation, trop peu de place est donnée aux multiples visions et facettes chinoises, parce qu'il nous semble, au regard des informations transmises après la commission à la ville de Lyon, que la question des libertés d'expression, des libertés fondamentales n'est pas travaillée ici à Lyon dans cet établissement, nous nous abstiendrons.
Nous nous abstiendrons pour ouvrir une voie parce que l'an dernier, nous avons à peu près tenu les mêmes propos avec un vote favorable et il n'y a eu aucune réaction. Alors on se dit que peut-être l'abstention favorisera un dialogue. Merci. Je vous remercie. Je voudrais juste à cette occasion, j'entends bien, et les images que nous avons pu voir il y a quelques jours étaient a fortiori pour un médecin choquante. Néanmoins, je parle ici de la politique de la ville et vous savez bien que l'histoire de notre ville et de la Chine, de ses rapports avec la Chine, remonte à plusieurs siècles maintenant et Lyon a joué un rôle majeur et pionnier dans la diffusion de la culture chinoise en Europe dès la Renaissance et tout cela s'est intensifié au 19e avec le travail des négociants lyonnais. Je crois qu'il est bon de rappeler, en dehors de la visite du président de la République de Chine, qui a commencé son voyage d'État par notre ville, ce qui a été un élément déterminant pour les relations, mais je voudrais dire que notre ville a d'abord créé les conditions d'un accueil d'étudiants à travers les universités, et que ce travail qui a permis la première chaire de langue chinoise dans notre université date de 1913. C'est la première chaire d'enseignement du chinois en France qui s'est suivie en 1921 par la création de cet institut. Je crois qu'en associant à la fois les rapports universitaires et aujourd'hui nous accueillons plus de 3500 étudiants chinois dans notre ville et que de plus en plus d'étudiants français vont aussi faire des cursus en Chine, que ce travail adossé à des échanges culturels que nous voulons intensifier en particulier à travers l'Institut, le nouvel Institut franco-chinois sont des éléments qui permettent d'instaurer de vrais dialogues avec la Chine et de faire avancer aujourd'hui cette question précise des droits de chacun à vivre en respectant ce qui constitue ses valeurs. Nous aurons, pour clore cette réponse, à accueillir du 25 au 27 septembre prochain un grand colloque franco-chinois qui réunira à la fois des acteurs culturels, mais aussi quelques acteurs universitaires, je pense en particulier autour de la santé, et l'ancien ministre de la Santé, Chen Zhu. Donc, nous aurons un grand rendez-vous qui sera dans nos lieux culturels à Lyon pour créer ces plateformes d'échange. Nous croyons, et je veux croire, que c'est par ces échanges que l'on peut faire avancer les questions les plus fondamentales. Et si vous en êtes d'accord, nous allons continuer. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame Bouzerda. Oui, monsieur le maire, un premier dossier qui vous soumet pour approbation le cahier des charges pour rétrocession d'un bail commercial qui a été préempté dans le cadre du périmètre de sauvegarde et qui s'inscrit dans la politique globale de redynamisation du secteur bas des pentes. Je rappelle que, combiné avec le FISAC, c'est plus de 130 rez-de-chaussée commerciaux qui ont pu faire l'objet d'une aide de la ville pour pouvoir redynamiser et développer les filières et notamment une dynamique de proximité et une dynamique de créateurs. Voilà. Ces deux rapports ont reçu un avis favorable. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Merci. Madame Rabatel. On avance, hein, mine de rien. Alors là, on va garder une minute pour présenter ce rapport. C'est donc une amicale pression, oui, j'ai bien compris. Mais c'est un sujet important. C'est donc le troisième rapport de la Commission communale pour l'accessibilité qui est présenté au Conseil municipal. Il représente donc les activités de la CCA pour les années 2014-2016. Il a été approuvé par la CCA en mai dernier et la Commission communale pour l'accessibilité, je le rappelle, compte entre autres 58 associations de personnes en situation de handicap, de tout type de handicap, qui ont approuvé ce rapport. Ce rapport, dont le contenu est défini par l'État, doit montrer les activités de la CCA, je le rappelle aussi,
et ne doit pas décrire toute la politique de la ville de Lyon. Il présente donc en détail le gros travail réalisé pour la concrétisation de notre ADAP, c'est-à-dire pour une meilleure accessibilité de tous nos établissements recevant du public et installations ouvertes au public. Il montre aussi la concertation qui est organisée entre les aménageurs, les services de la ville et de la métropole et les associations sur les différents projets urbains sur le territoire lyonnais. Et il présente enfin les thématiques abordées lors des CCA successives. Et comme il est frustrant de ne présenter que les activités de la CCA, chaque rapport, je me permets d'y ajouter un zoom. Et donc cette année, le zoom est sur les actions de nos services pour l'inclusion des enfants en situation de handicap sur les différents temps scolaires sur la ville de Lyon. Et nous pouvons en être fiers. Ce rapport donc, peut être présenté aussi tous les ans au conseil municipal. Mais j'assume le fait que, comme il est très chronophage à écrire, à faire valider diversement, je préfère, avec la totale approbation des associations de la CCA, en faire un tous les deux ans et utiliser plutôt notre temps à des actions concrètes nombreuses. Merci. Merci. Un temps de parole est demandé par le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. Madame Grandjean. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, l'accessibilité est un vaste sujet, un chantier qui avance bien, mais où tout n'est pas parfait. Je vais aborder essentiellement le volet école, handicap et maladie chronique. L'éducation est un droit fondamental qui, en France, a valeur de droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'il est garanti par la Constitution. Il permet à chacun, quel que soit son handicap, ses difficultés, son niveau social, etc., de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. L'éducation est vitale pour le développement personnel de chaque individu, mais aussi pour le développement économique et social et culturel de la ville. C'est pourquoi la collectivité garantit à chaque citoyen le droit à l'éducation, le plein exercice de sa citoyenneté et l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Pour l'accueil des enfants en situation de handicap, les écoles peuvent avoir l'aide spécifique d'une AVS, auxiliaire de vie scolaire, qui est mandatée par la MDPH. Et pour certains, d'une HM, c'est une assistante technique maternelle qui travaille avec des enfants en situation de handicap, en général dans des classes à effectifs réduits, mais où tous les enfants sont handicapés. Ce ne sont pas les ATSEM, ce sont les HM, un poste particulier. Je vous dépeins ici un tableau idéal, celui où tout se passe bien, où tout est bien en place, mais dans la réalité, tout est nettement moins idyllique. Les AVS sont souvent mutualisés, même quand les besoins spécifiques sont reconnus. De plus, les enfants ont droit à un nombre d'heures limité qui ne correspond pas forcément à leurs besoins réels, faute de moyens. Il paraît par exemple évident que le temps de travail de l'AVS s'effectuera essentiellement sur le temps de classe et donc pas sur le temps de cantine ou de garderie, quand bien même l'enfant aurait besoin d'un accompagnement plus complet pour vivre en collectivité. Dans nos écoles, et parce que nous respectons la loi, nous accueillons les enfants porteurs de handicap, parfois compliqués à gérer, et quand on a la responsabilité d'un grand nombre d'enfants, et là je pense en particulier au temps de cantine, qui s'occupe de ces enfants si particuliers dont certains ont un besoin permanent d'aide? Eh bien, ce sont nos ATSEM, qui en plus de leurs attributions liées à leur fiche de poste, se retrouvent obligés de gérer. Est-ce bien normal? Bien qu'elles aient souvent la volonté, elles n'en ont souvent ni la formation, ni la rémunération en retour. Si un incident arrive sur ces temps, qui sera responsable? Évidemment, il y a un directeur ou une directrice présente sur site, mais leur rôle n'est pas non plus de gérer cet accueil. Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire demande à nouveau à la ville de Lyon de penser une solution plus satisfaisante pour l'accueil des petits Lyonnais porteurs de handicap. Nous avions déjà alerté en début d'année l'accueil des enfants allergiques sans réel retour, mais nous ne nous résolvons pas à des solutions incomplètes et bancales. Je veux également aborder la situation des enfants atteints de maladies chroniques. À Lyon, il y a plusieurs médecins scolaires. Ce sont eux qui fixeront les règles d'accueil pour les enfants malades, eux qui feront signer le PAI, plan d'accueil individualisé, des petits Lyonnais ayant une situation médicale particulière. Eux qui fixeront les participants à la réunion, qui fixeront lui-même ce PAI et qui le signeront. Évidemment, sont conviés le directeur d'établissement, les enseignants, les parents, ainsi que parfois, pour les maternelles, les ATSEM. Mais ce n'est pas systématique. Il me semble évident que pour que tous les temps de l'enfant soient couverts en termes de sécurité, il manque des personnes, temps de cantine, de garderie, temps périscolaire, car comme pour les enfants porteurs de handicap, ces temps hors de la classe posent problème.
Or, il arrive régulièrement que l'urgence des situations à gérer ne permette pas d'attendre le retour d'une équipe de direction. Prenons le cas simple et finalement ordinaire de l'épilepsie, qui est traité aujourd'hui en CA, me rappelait Mme Rabatel tout à l'heure. Il paraît indispensable que les adultes présents soient en capacité de pratiquer les premiers secours avant même de prévenir la personne référente sur le temps précis. À l'heure actuelle, trop peu d'agents de la ville de Lyon, et en particulier ceux qui sont en contact avec les usagers, sont formés aux gestes qui sauvent, avec une réactualisation régulière. Les gestes d'urgence qui pourraient nous paraître du bon sens ne le sont pas pour tous. Ils peuvent pourtant avoir des conséquences pour la suite, car les premiers soins ne sont pas, loin s'en faut, les gestes qui viennent à l'esprit de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous porteurs d'images fausses ou de légendes urbaines dans le domaine médical. L'enfant asthmatique en crise devra attendre que la direction arrive, car seul l'enseignant ou les directions ont le droit de donner un médicament à un enfant, faute de formation suffisante et d'autorisation des autres agents et des procédures individualisées mises en place. Nous devons donc absolument réfléchir à de meilleures solutions pour le bien-être des enfants accueillis dans les écoles comme pour les agents. L'absence d'infirmières à temps plein dans les écoles est de toute évidence un manque important. Nous ne pouvons nous satisfaire d'une grande métropole comme la nôtre et d'un service public aussi déficient. Malgré tout, je souligne l'engagement des élus qui se battent bec et ongles afin de maintenir et d'améliorer notre service médical scolaire, encore trop peu répandu en France. Je vous remercie. Merci. Madame Rabatel, un élément de réponse ? Parce que j'avoue que je suis surprise par la tonalité de cette intervention qui, à mon avis, publiquement, sème le doute sur l'accueil des enfants en situation de handicap sur la ville de Lyon ou des enfants qui sont à besoins particuliers et qui ont des maladies chroniques, sur la qualité de cet accueil, voire même sur la sécurité de ces enfants. Alors pour ce qui est des AVS, je ne répondrai pas parce que c'est de la compétence, c'est pas la compétence de la ville de Lyon. Mais pour le reste, je dois dire qu'aujourd'hui, sur la ville de Lyon, nous accueillons 1000 enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques. Donc autant vous dire que pour les accueillir, on a fortement réfléchi sur le sujet et qu'il y a quand même la capacité de pouvoir les accueillir. Il y a 12 villes seulement en France qui ont un service médico-social scolaire et il y a 3 villes seulement qui ont un service médico-social scolaire complet du niveau de celui que nous avons, c'est-à-dire 9 médecins, 45 infirmiers et infirmières, 24 assistantes sociales. C'est vraiment une qualité de service médico-social scolaire absolument énorme. Ces médecins connaissent tous les enfants qui sont en difficulté. Il y a de très grands rapports continus avec les parents, avec les équipes enseignantes. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, c'est à ce niveau-là de qualité et d'efficacité, c'est quelque chose de très rare. Alors ce que je dois dire aussi, c'est que nous sommes responsables du temps périscolaire de midi et du vendredi après-midi. Donc nous accueillons beaucoup d'enfants à midi. 75% des 800 enfants en situation de handicap sont accueillis à midi. Ça aussi, c'est une réussite, il faut le dire. Et puis 400 enfants le vendredi après-midi. Et nous refusons personne. Nous accueillons tout le monde, nous refusons personne. Ça aussi, c'est quelque chose qui est rare. À midi, tous les directeurs des accueils de loisirs ont été formés à l'accueil des enfants en situation de handicap ou des enfants à besoins particuliers ayant des maladies chroniques. Il faut dire aussi que les gestes peuvent se faire et tout le monde est attentif particulièrement à ce sujet. Ensuite, dans toutes les écoles, un adulte a été formé à pratiquer un certain nombre de gestes, en particulier les injections d'adrénaline pour les enfants si besoin est. Sur le temps scolaire, les ATSEM sont formés par la ville de Lyon et l'éducation nationale, mais sur le temps scolaire, c'est l'éducation nationale qui est responsable des ATSEM, il faut aussi le dire. Et puis, bien sûr, en continu, il y a des échanges qui ont lieu entre les parents de ces enfants, nos services de toutes sortes, de tous niveaux, et puis aussi l'éducation nationale. Donc il y a vraiment un accueil de qualité. On peut toujours dire qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus, qu'on peut améliorer. Alors c'est évident, j'irai jamais dire que sur tous ces sujets, il ne faut pas être extrêmement attentif et surveiller en continu, en finesse, toutes les actions qui peuvent être faites. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le niveau que nous avons d'accueil en quantité, en qualité, en sécurité, il est vraiment exemplaire sur les villes de Lyon. Sur la ville de Lyon et sur les villes en France en général. Merci. Madame Rabatel, de ces quelques précisions.
J'ai plutôt senti chez Mme Grandjean l'idée de, d'être encore plus exigeante ou attentive. Donc, travaillons ensemble à faire mieux en permanence et ce sera bien pour tous les enfants, bien sûr, d'abord. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Madame Rabatel. Ah oui, avis favorable de la Commission sur des subventions pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Qui est contre ? Madame Faurie-Gautier. Monsieur le maire, chers collègues, Lyon en forme sera le thème du prochain village santé dans le cadre des courses du Run in Lyon, en partenariat notamment avec la Ligue d'athlétisme. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission, monsieur. Merci beaucoup. Et ce sera encore une belle manifestation. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Pas d'abstention. Madame Rivoire. Monsieur le maire, chers collègues, avis favorable de la Commission sur ces différentes subventions destinées à nos personnes âgées, soit pour l'animation, soit pour la lutte contre l'isolement. Avis favorable de la Commission. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Madame Heitmaten. Vous pouvez, monsieur le maire. Avis favorable de la Commission, monsieur le maire. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Merci. Monsieur Cuchera. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération concerne la dénomination de 3 nouveaux équipements sportifs. Je vais laisser la parole à ma collègue Thérèse Rabatel qui vous présentera la dénomination du gymnase Omnisport du quartier Bonlay dans le 7e. Mais au préalable, j'aimerais rapidement évoquer la nouvelle dénomination proposée pour le gymnase Viviani dans le 8e arrondissement et pour la Halle aux Fleurs dans le 2e. Je commencerai par remercier les 3 maires d'arrondissement, Myriam Picot, Denis Broliquet et Christian Coulon, qui ont accepté sans retenue nos propositions de dénomination. Le gymnase de la Halle aux Fleurs est le fruit d'un réaménagement du bâtiment déjà existant qui nous permet désormais d'accueillir les associations sur 2 salles de sport d'environ 300 mètres carrés chacune. L'une affectée principalement à la pratique des arts martiaux, l'autre à la pratique d'évolutions sportives diverses. L'inauguration l'a démontré, les associations qui y prennent leur marque sont ravies d'évoluer dans ce bâtiment très bien conçu, situé sur le site de l'ancien marché-gare dont la Halle aux Fleurs, construite en 1963, était l'une des salles de vente. Nous avons considéré que de conserver le nom historique de cet emplacement contribuait parfaitement à entretenir l'élan à la fois patrimonial et novateur de ce quartier en plein essor. Pour ce qui concerne le gymnase Viviani, entièrement rénové, dans lequel réside la Convention gymnique de Lyon, ainsi que le Pôle France de gymnastique, les choses sont un peu différentes. Les travaux de réhabilitation et d'extension se terminent et feront de cet équipement un must européen en la matière. C'est l'une des plus belles salles de gymnastique d'Europe qui sera livrée d'ici la fin du mois dans le 8e arrondissement. Un équipement qui a pour vocation de répondre aux exigences de la gymnastique associative, avec ses différentes salles d'évolution pour tous les publics, mais également à nos scolaires ou encore à l'élite de la gymnastique mondiale qui s'y entraîne quotidiennement. J'ai passé la plupart de mon temps d'athlète de haut niveau entre les murs de ce gymnase. J'y ai vécu des grandes joies, mais également des moments beaucoup plus graves. C'est ainsi que j'ai fait part au maire de Lyon et à celui du 8e arrondissement de ma volonté de rebaptiser ce nouvel équipement gymnase Sergueï Vorontsov en mémoire du fils de l'entraîneur Anatoli Vorontsov, décédé d'une crise cardiaque sous les yeux de ses partenaires durant un entraînement dans l'enceinte même de ce gymnase. Sergueï était un jeune athlète et un coéquipier à l'état d'esprit irréprochable. Et son père, qui entraîne désormais notre médaillé mondial Cyril Thomason, a dédié sa vie à la gymnastique. Il est l'un des artisans du développement de cette discipline sur Lyon depuis 35 ans, mais plus globalement des résultats des équipes de France de ces 2 dernières décennies. La disparition de Sergueï arriva 2 ans après le décès terrible de son frère aîné dans un accident. L'attribution de ce nom à l'enceinte magnifique qui abrite les talents lyonnais de la discipline serait le plus beau des hommages que nous pourrions rendre à la gymnastique, mais aussi et surtout à la famille Vorontsov. Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission, et je vous remercie par avance de voter favorablement cette délibération. Madame Rabatel. Monsieur le maire, chers collègues, nous nous réjouissons de la dénomination de ce nouveau beau gymnase dans le 7e arrondissement, avec le nom peu connu mais exemplaire d'Alice Mia. Alice Mia a œuvré, entre autres, pour que les femmes aient le droit de participer aux Jeux Olympiques. Elle est en quelque sorte le Pierre de Coubertin du sport féminin, si j'ose dire.
Si j'ose dire, car Alice Mia et Pierre de Coubertin, contemporains, se sont fortement opposés sur le sujet. En effet, Pierre de Coubertin, dans le contexte des mentalités de l'époque encore très misogynes, s'est illustré par son refus de voir les femmes participer aux Jeux Olympiques. Je le cite en 1902, lors des JO de Stockholm, ouvrez les guillemets. « Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Et en 1935, toujours dans le même esprit, ouvrez les guillemets, « Je n'approuve pas la participation des femmes au concours public, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un sport, mais sans se donner en spectacle. Au JO, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. » Alice Mia est d'abord une grande sportive pratiquant des sports variés, nageuse, hockeyeuse et plus particulièrement rameuse de renom. En 1919, elle demande au CIO, le Comité Olympique International, d'inclure des épreuves féminines d'athlétisme dans les Jeux Olympiques. Refus du CIO. Elle crée alors en 1921 la Fédération Sportive Féminine Internationale et elle organise, en alternance avec les JO, les Jeux Mondiaux Féminins. Les premiers ont lieu à Paris avec 5 pays et devant 20 000 spectateurs quand même. En 1928, après plusieurs Jeux mondiaux à succès, le CIO doit reconnaître la réalité et l'intérêt du sport féminin et il admet les épreuves d'athlétisme aux Jeux olympiques. Entre-temps, Alice Mia a aussi participé à la création de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, dont elle devient présidente en 1919. Et elle organise en 1920, déjà à l'époque, les premiers championnats de France de foot féminin, avec l'équipe de France de foot féminin créée la même année. Lyon, grande ville sportive et ville de la victorieuse équipe de l'OL féminin, ne pouvait donc que rendre hommage à Alice Mia, grande militante de la reconnaissance du sport féminin en France et dans le monde. Merci donc à notre adjoint au sport Yann Kuchera, à qui j'avais proposé ce nom, de l'avoir retenu et porté. Merci aussi à Myriam Picot, maire du 7e, Jean-Yves Sécheresse et au maire de Lyon, donner des noms et toujours un travail d'équipe, d'avoir ainsi mis à l'honneur Alice Mia pour mieux la faire connaître et reconnaître. Merci, merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je voulais laisser un petit temps entre toutes ces propositions d'appellation et peut-être un élément non moins solennel. J'avais proposé tout de suite après le décès de Simone Veil, j'avais proposé que très vite la ville réfléchisse à donner un nom d'un lieu emblématique dans notre ville en hommage à tout ce qu'elle a réalisé, à tout ce qui est sa vie et tout ce qu'elle a permis de faire dans notre pays. Donc voilà, je rappelle que nous allons tenir cet engagement que j'avais pris et nous allons trouver la bonne proposition, celle qui correspondra le mieux à ce qu'aura été toute sa vie d'engagement. Voilà, je vous remercie. Monsieur Kuchera. Oui, mes chers collègues, cette délibération concerne une subvention de 3 000 euros que nous souhaitons attribuer à l'association Lyon Sport Métropole qui accompagne la troisième édition du rendez-vous Sentez-vous Sport au mois de septembre prochain. L'objectif de cette manifestation, sous couvert de favoriser la pratique de l'activité physique, est de proposer un moment de partage chaleureux aux agents de la ville de Lyon et de la métropole, lesquels se retrouvent au Palais des Sports de Gerland pour s'initier ou se défier à travers diverses activités sportives. 800 personnes sont attendues cette année pour un événement qui attire à chaque édition davantage de participants, à peine 120 en 2015, 600 l'an dernier, ce qui justifie la subvention revue à la hausse allouée à Lyon Sport Métropole. En outre, cet événement correspond en de nombreux points aux objectifs que je poursuis à travers notre politique sportive, puisqu'il met en avant la pratique sportive au service du bien-être au travail, à travers le développement de la convivialité et de l'interconnaissance entre les agents de la ville de Lyon et de la métropole.
Je remercie d'ailleurs pour sa part la métropole qui, dans cette collaboration fructueuse, prend à sa charge les frais de location des espaces de réception, de même que certains coûts logistiques annexes. Avis favorable de la Commission. Alors, un temps de parole du groupe Les Républicains et apparentés Ensemble pour Lyon. Monsieur Guillen, un temps d'explication de vote. Oui, monsieur le maire, une intervention très rapide sur ce sujet. Nous nous réjouissons que les agents de la ville soient invités à pratiquer une activité sportive occasionnelle le 21 septembre, mais au-delà régulière. Et nous nous réjouissons de cette subvention, bien évidemment. Nous nous étonnons quand même que cette subvention arrive sur une ligne sport, alors qu'à la métropole, elle intervient sur une ligne ressources humaines. Je pense qu'il serait plus judicieux qu'elle soit portée sur une ligne ressources humaines. Alors, je sais que M. Broum, qui fait la grimace, aime que la liste ressources humaines, que la ligne ressources humaines soit la plus faible possible, mais je pense qu'il serait bien pour la justesse de notre comptabilité que ce soit sur ces lignes. Au-delà de ça, c'est une manifestation que nous ne pouvons que saluer et soutenir. Je vous remercie. C'est à moitié-moitié, je ne sais pas, on va réfléchir. Oui, parce que c'est culturel aussi, on pourrait faire un tiers. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention, je vous remercie. Monsieur Cucherin. Avis favorable sur tous les autres dossiers, monsieur le maire. Je mets aux voix l'ensemble de ces délibérations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et nous arrivons à madame Gay. Monsieur le maire, le premier dossier, le 3095, il s'agit de la mise à disposition par bail emphytéotique de l'église Saint-Bernard. La ville de Lyon est propriétaire de l'église Saint-Bernard édifiée de 1854 à 1866 par Tony Desjardins, architecte. L'édifice ayant subi de nombreux désordres structurels a été fermé définitivement en 1992. Face à la baisse de la pratique cultuelle et aux coûts d'entretien que peuvent représenter cette église, la ville s'est engagée dans une démarche de reconversion de ce site, projet audacieux et inédit à Lyon. Cette église désaffectée, désacralisée, va trouver une seconde vie en se transformant en un lieu de vie sociale, d'échange et d'activité économique, présence de jeunes entrepreneurs, de start-up, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui peuvent s'ouvrir sur le quartier. C'est aussi l'occasion de sauvegarder un patrimoine menacé dans le respect de son histoire, de ses caractéristiques et de sa place dans la cité. Ce site deviendra très rapidement un nouveau point de rencontre pour les habitants du quartier. Donc, le projet est porté par Carré d'Or, qui finance, monte, promeut et va exploiter Urban Protect, la conception et la coordination, et l'agence Alep, qui est l'architecte du patrimoine. Pour l'extérieur, cette reconversion redonnera à l'église une meilleure intégration dans le paysage urbain en recréant une continuité avec la place Colbert grâce à un escalier qui reliera l'église à la place. L'intérieur, ce sera une surface totale de 2578 mètres carrés qui sera utilisée par un centre d'affaires qui prendra place à l'intérieur de l'édifice, composé notamment de 1400 mètres carrés de bureaux privatifs, 700 mètres carrés d'espaces de travail partagé, 400 mètres carrés d'espace de restauration. Le calendrier pour ce beau projet, le permis de construire sera délivré au cours du 1er septembre 2018. Les travaux pourraient commencer en 2018, fin 2019, pour une ouverture début 2020, fin 2019, début 2020. Et la caractéristique du bail emphytéotique, c'est une durée de 50 ans, une redevance annuelle de 5 000 euros, un investissement de l'amphithéâtre estimé à 8 263 548 euros TTC et une condition suspensive liée à l'obtention des autorisations d'urbanisme purgée de tout recours des tiers. Avis favorable de la Commission. Merci. J'ai un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. Madame Perrin-Gilbert. Oui, monsieur le maire de Lyon, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers. Les élus du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire demandent le retrait de cette délibération au motif que ni les élus du premier arrondissement, ni les conseils de quartier, ni les riverains n'ont été... Je reprends donc, excusez-moi.
Les élus du groupe Lyon Citoyen et Solidaire demandent donc le retrait de cette délibération au motif que ni les élus du premier arrondissement, ni les conseils de quartier concernés, ni les riverains n'ont été consultés ou associés à ce projet de céder par bail emphytéotique l'église Saint-Bernard à un promoteur immobilier. En janvier 2017, lors de ses vœux aux habitants et acteurs du quartier de l'Hôtel de Ville, Gérard Collomb, alors maire, s'était lancé dans une revue de projet et avait demandé à M. Damien Beaufils de présenter ce que serait le nouveau visage de l'église Saint-Bernard et des 3200 m² qui l'entourent. Une présentation de 5 minutes qui ne suffit pas à répondre aux questions nécessaires et légitimes face à un tel projet. Nous demandons le retrait de ce projet, Monsieur le maire, car nous manquons d'informations, donc, et parce que ce que nous lisons dans cette délibération et ce que nous a présenté Mme Gay, assise à gauche, eh bien, ne nous rassure pas. Premièrement, nous sommes inquiets sur le fond du projet. Vous le savez, comme de nombreux centres-villes, le premier arrondissement connaît un phénomène de gentrification important. Depuis les années 1990-2000, ce mouvement de mutation sociologique et urbain ne cesse de s'accélérer. Il entraîne une hausse importante des loyers, du foncier, mais aussi de la vie sur ce quartier. Et le risque de ce mouvement est double. D'abord, certains habitants et habitantes, souvent des classes moyennes d'ailleurs, ne peuvent se maintenir en centre-ville. Des familles ne parviennent plus à venir s'y installer non plus. Ensuite, il y a le risque pour la ville de Lyon de perdre un de ses quartiers singuliers, les pentes de la Croix-Rousse. Un quartier qui participe par son âme et sa singularité à l'identité et la richesse de notre ville. Face à ce mouvement de fond, qui touche, comme je le disais, les centres-villes, quel est le rôle de la puissance publique? Eh bien, il est de temporiser, de contenir, de ralentir même ces évolutions. C'est le rôle du politique, pour que la ville reste habitable et partageable par tous et toutes. Alors, nous pensons que choisir pour l'église Saint-Bernard des bureaux privatifs, accompagnés d'espaces de détente, d'un bar et d'un restaurant, eh bien, cela va dans le sens de la gentrification de notre arrondissement. Et ce projet ne s'adressera pas aux habitants de l'arrondissement, mais à des nouveaux habitants et à des visiteurs. Et nous pensons que c'est une erreur politique. Deuxièmement, nous sommes inquiets sur la forme choisie. Nous pensons que c'est une erreur de céder l'église Saint-Bernard par bail emphytéotique au promoteur Carré d'Or. Pourquoi? Parce qu'avec un tel bail, l'amphithéote, donc ici Carré d'Or, se retrouve quasi propriétaire du bien pendant 50 ans, c'est-à-dire avec des droits proches de celui du propriétaire. Il peut notamment réaliser tous les travaux de construction ou de démolition qu'il souhaite, sans accord du propriétaire. Il peut hypothéquer son droit sur le bien également. Ainsi, ce bail nous paraît bien faible et fragile pour protéger notre patrimoine, notre bien communal. Nous aurions préféré, comme cela a été le cas pour la halle de la Martinière, un bail emphytéotique administratif, parce qu'il donne plus de pouvoir à la collectivité de contrôler ce qui se passe dans son patrimoine. Mais c'était impossible. C'était impossible ici, car un bail emphytéotique administratif n'est possible que pour des projets d'intérêt général. Et c'est donc le droit, vous savez que le bail emphytéotique est issu du droit romain, et c'est donc le droit qui nous montre ici qu'on n'est pas dans un projet d'intérêt général, mais bien d'intérêt particulier, puisque si nous étions dans un projet d'intérêt général, nous aurions signé, comme pour la halle de la Martinière, un bail emphytéotique administratif. Donc, nous demandons le retrait de cette délibération, peut-être simplement d'un mois ou deux, pour que vous puissiez nous apporter toutes les réponses à ces questions et à ces inquiétudes, que vous puissiez les apporter aussi aux habitantes et aux habitants, et si toutes ces inquiétudes sont levées, dont acte. Si tel n'est pas le cas, eh bien nous vous proposons de travailler avec vous dans l'intérêt de la commune et de l'arrondissement. Vous faites nom de la tête, M. Kepenekian. Ce n'est pas un très bon message que vous nous donnez après votre propos plein d'ouverture hier lors de votre investiture en tant que maire de Lyon. Si effectivement ce dossier n'était pas retiré, eh bien, à notre regret, nous voterions contre, car nous avons des responsabilités politiques, qui sont celles de ne pas privatiser notre ville, ni de la confier à quelques intérêts privés. Je vous remercie. Demandé par le groupe UDI apparenté, M. Royer.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs, vous nous demandez aujourd'hui d'approuver donc ce fameux bail mettant à disposition de la société Carré d'Or l'église de la montée Saint-Sébastien dans le premier arrondissement. Les élus UDI et apparentés se réjouissent que cet édifice lyonnais puisse enfin trouver une destination avec ce projet de reconversion et de réhabilitation du site en un centre d'affaires et un lieu de coworking. C'est un dénouement heureux pour cette église Saint-Bernard qui, comme vous le savez tous, a connu une histoire des plus rocambolesques. En effet, édifiée dans les années 1860 sous le Second Empire, restée inachevée sur sa façade sud, par manque de financement, fragilisée par la construction du tunnel de la Ficelle, elle est définitivement fermée au public dans les années 90 et inoccupée depuis. Cette réhabilitation va redonner un dynamisme et une valeur ajoutée à ce secteur des pentes. C'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais, malgré tout, malgré ce que vous pouvez en penser pour certains. Nous voterons donc ce dossier. Je vous remercie. Peut-être Monsieur Le Faou. Oui, tout à fait, Monsieur le maire, mes chers collègues. Quelques éléments de réponse suite aux deux interventions. Tout d'abord, pour souligner que ce projet de l'église Saint-Bernard et de sa reconversion avec à la fois la création de locaux destinés à l'accueil temporaire d'entreprises ou de structures œuvrant notamment, par exemple, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire est un élément qui va concourir à la dynamisation du premier arrondissement, comme nous le souhaitons, au travers aussi d'un certain nombre d'autres projets que nous voulons mettre et que nous allons mettre en œuvre, à la fois la reconversion de l'ex-École nationale des beaux-arts, je pense aussi bien évidemment à la reconversion de l'ancien Collège Truffaut, et tout ceci avec un certain nombre d'autres actions qui participent à l'amélioration du cadre de vie et des équipements mis à disposition de nos concitoyens sur le premier arrondissement va participer à la fois à l'embellissement et au dynamisme de cet arrondissement. Je voudrais aussi souligner que sur l'aspect de la gentrification sur le premier arrondissement, nous avons largement contribué à faire en sorte que de lutter contre cette gentrification avec une action forte en matière de logement et d'habitat au travers du relèvement du taux SRU de l'arrondissement avec le conventionnement d'un certain nombre de logements qui ont pu être, je dirais, sortis notamment d'un parc social de fait qui existait il y a encore quelques années sur cet arrondissement. Et qu'en lien avec un certain nombre de bailleurs, nous avons pu remettre la main sur ces biens et faire en sorte qu'ils soient conventionnés et qu'on puisse maintenir sur le premier arrondissement une offre de logements abordables qui permette d'accueillir une grande diversité de nos concitoyens. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, le taux SRU du premier arrondissement au 1er janvier 2016, c'est 16,5% et qu'il a fortement progressé ces dernières années. Donc tout ceci montre bien évidemment l'engagement de la collectivité sur le premier arrondissement pour faire en sorte que ce que vous appelez la gentrification du premier, Madame le maire, nous puissions la combattre et faire en sorte que nous, au travers de nos actions en matière d'habitat et de logement, nous puissions réguler ces questions tout en contribuant, au travers de la mise en œuvre de certains projets, à faire en sorte que cet arrondissement conserve son dynamisme et qu'il puisse se développer dans les mois et années qui viennent. Merci. Merci, M. Corazol. Intervention retirée, Monsieur le maire. M. Durand. Oui, je crois que je n'ai rien ajouté à ce que vous avez présenté excellemment, et donc je retire mon intervention aussi. Nicole, vous vouliez... Non, je n'ai absolument rien à rajouter. Je pense que Michel Le Faou a répondu aux questions de gentrification et notre détermination est de rentrer dans la démarche que nous avons engagée. Et bien entendu que nous créerons quand même les conditions dans le cadre du cahier des charges de pouvoir en discuter en tout cas avec les personnes concernées. Voilà.
Très bien. Alors, deux avis pour le moins divergents. Madame Nathalie Perrin-Gilbert, je crois que je vais vous décevoir beaucoup dès le premier conseil. Mais je pense que vous jetez le bouchon quand même très loin, quoi, tout de suite très loin, pour voir retirer aujourd'hui cette délibération est un peu excessif. Je vous propose qu'on trouve d'autres moyens de dialoguer dans l'avenir, plutôt en amont des délibérations que juste à la dernière minute. Et je mets donc aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Gay. Le dossier suivant, je pense que nous allons en tout cas entendre les mêmes propositions par Madame Nathalie Perrin-Gilbert. Il s'agit de la sortie du périmètre des services publics de la salle Rameau. Donc je ne vais pas faire l'histoire de la salle Rameau, qui est un symbole de l'art nouveau et qui a été construite à l'initiative de Monsieur Georges Witowski, qui était compositeur et chef d'orchestre, ayant créé la Société des grands concerts de Lyon, lequel a réussi à convaincre la municipalité d'Édouard Herriot de la nécessité d'une salle de concerts et conférences. Elle est conçue par M. Clermont et Ribou entre 1907 et 1908. Et effectivement, elle a été édifiée grâce à l'apport de nombreux mécènes lyonnais. Aujourd'hui, la salle connaît d'importants dégâts à la suite de la Seconde Guerre mondiale et les verrières doivent notamment être reprises. C'est entre 1955 et 1960 que la première campagne de restauration est lancée, laquelle sera suivie d'une seconde à la fin des années 80. Sont installées dans les années 77 la Fédération française de tennis de table et l'Académie de billard de Lyon, qui s'installent successivement au rez-de-chaussée du bâtiment. Cette salle a aujourd'hui une capacité de 689 places, laquelle est mise ponctuellement à disposition d'organisateurs privés. La ville de Lyon est propriétaire de la salle Rameau, au 29 rue de la Martinière à Lyon 1er, pas très loin de la halle de la Martinière. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y aura pas dans cette salle ou dans le projet qu'il va être proposé de commerce, de supermarché, de tout ce que l'on a pu entendre dire ici et là dans notre conseil municipal. Il est aujourd'hui proposé donc la fermeture de la dite salle compte tenu de plusieurs éléments. De manière générale, l'activité des salles municipales connaît une baisse structurelle liée au contexte national. Lutte contre le terrorisme, renforcement du plan Vigipirate, état d'urgence. C'est un petit peu ce que nous voyons sur l'ensemble de nos salles. La salle Rameau connaît des contraintes techniques importantes, notamment acoustiques et vibratoires, ce qui a pour conséquence l'impossibilité de la louer pour des spectacles musicaux amplifiés ou pour tout autre spectacle avec instruments particuliers. Les recettes de la salle ne couvrent que 34% de ses dépenses de fonctionnement et affichent par an un déficit de 212 000 euros. Si la fermeture de la salle est prononcée par le conseil municipal, les services de la ville engageront une consultation à l'issue de laquelle un projet de reprise du bâtiment sera retenu. Il n'est pas pour l'heure décidé s'il s'agira d'une cession ou d'un bail emphytéotique. Le cahier des charges n'est pas finalisé. Néanmoins, il sera exigé, outre la rénovation du bâtiment dans le respect de l'existant, le maintien de cette salle avec cette détermination que nous portons d'un projet culturel ambitieux. Cette délibération porte donc aujourd'hui sur la sortie de la salle Rameau du périmètre des services publics municipaux avec un avis favorable de la Commission. Merci Madame Gay. Un temps de parole pour le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. Monsieur Remy pour 5 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, Madame Gay, les élus du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire partagent donc votre ambition d'un projet culturel sur la salle Rameau. Et parce que nous partageons cette ambition, nous regrettons cette précipitation et la mise à l'ordre du jour de cette délibération portant sur la sortie du périmètre des services publics municipaux de la salle Rameau. Monsieur le maire, vous êtes maire de Lyon depuis à peine un jour, alors permettez-nous de vous donner un petit conseil. La précipitation n'est jamais bonne conseillère et précipitation a aussi pour synonyme maladresse, aberration, absurdité. Maladresse pour justifier de cette sortie du périmètre des services publics. Aberration pour cette méthode qui est alors employée, la vente potentielle d'un bâtiment public sans aucune concertation.
Absurdité, c'est de prendre la problématique à l'envers, régler la gestion avant d'imaginer le projet. La précipitation, c'est donc tout d'abord la maladresse. Vous nous annoncez un contexte de crise macroéconomique défavorable à l'industrie du spectacle. Mais à contrario, l'Observatoire du Live, observatoire créé et géré par l'organisme patronal des exploitants de salles de spectacle, observe que le niveau de remplissage des salles en 2017 est supérieur à celui de 2014. D'ailleurs, les rapports du Centre national des variétés font la démonstration que les spectacles dans les salles de grande capacité connaissent une forte croissance. Ensuite, vous nous indiquez que suite aux attentats, les salles de grande capacité peinent à se remplir. C'est peut-être ici où la maladresse est la plus forte. J'aurais pu dire qu'il y a une forme d'instrumentalisation des victimes des attentats ou de démagogie, mais parce que le sujet est sérieux, nous avons consulté des organismes professionnels. Et l'Observatoire du Life, encore lui, note que les impacts des attentats sont surtout perceptibles à Paris et que depuis les événements du Bataclan, les Français ont retrouvé leurs habitudes dans les salles, et c'est peut-être tant mieux. Monsieur le maire, et vous le savez puisque vous avez été adjoint à la culture pendant près de 10 ans, ce qui est réellement défavorable à l'industrie du spectacle, ce ne sont pas les attentats, c'est le désengagement des collectivités dans les projets culturels. Un désengagement dont vous risquez malheureusement de faire preuve sur ce dossier. Enfin, vous nous précisez que la qualité de la salle Rameau est globalement inférieure à celle des autres salles sur le territoire lyonnais. Encore une fois, c'est maladroit. Car oui, il y a bien quelque chose que nous partageons sur ce dossier. La salle Rameau n'a jamais eu d'identité culturelle bien affirmée. Mais comment impulser un projet culturel dans un équipement géré uniquement par la direction centrale de l'immobilier ? Hier, monsieur le maire, vous défendiez une vision plutôt transversale. Vous assuriez que la gestion de notre ville n'était pas en silo. Vous souteniez que les différentes administrations de notre municipalité dialoguaient de concert. Nous ne voyons rien en cela dans la gestion de la salle Rameau. Et la conséquence de cette gestion en silo, c'est ce que vous nous annoncez dans la délibération, une baisse d'activité et un déficit d'exploitation. La précipitation, c'est aussi l'aberration de découvrir à l'ordre du jour du Conseil suivant votre élection cette sortie du périmètre des services publics. Bien que nous la connaissions sur bien d'autres dossiers, nous ne partageons pas cette méthode. Elle se résume en quelques qualificatifs, privatisation, absence de concertation et cession à un privé. Encore une fois, et Nathalie Perrin-Gilbert le rappelait, il s'agit de cette question majeure pour le devenir de notre ville, celle du patrimoine immobilier. La précipitation, c'est enfin l'absurdité de vouloir changer le mode de gestion avant de définir le projet. Hier, nous votions pour un nouveau maire. Monsieur Kepenekian, vous avez été élu et notre groupe vous a félicité. Et puisqu'hier, vous avez dit vouloir respecter l'expression de la diversité de notre conseil, nous voudrions vous faire une proposition, retirer cette délibération de l'ordre du jour du conseil. La salle de Rameau mérite sûrement mieux que la précipitation. Elle mérite de prendre le temps d'écrire un vrai projet culturel. Prenons le temps de le faire en concertation avec le monde associatif local, avec les habitantes et avec les habitants. Cette concertation alimentera la rédaction d'un cahier des charges au service des besoins du territoire. D'ailleurs, Madame Gay nous confirmait qu'il n'est pas totalement finalisé. Et c'est à partir de ce travail qu'enfin et seulement nous pourrons définir un nouveau mode de gestion. Mais pour conduire ce processus, monsieur le maire, ne précipitez pas les choses. Retirez cette délibération de l'ordre du jour et associez-nous à la définition de ce projet que nous souhaitons, nous également, ambitieux. Je vous remercie. Je vous remercie, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le groupe UDI apparenté, monsieur Broliquier. Monsieur le maire, vous nous demandez aujourd'hui de faire sortir la salle Rameau du périmètre des services publics municipaux à compter de jeudi prochain, préalablement à sa désaffectation, à son déclassement, puis à sa vente. Afin de justifier cette décision, vous nous annoncez un grand nombre de chiffres. Un déficit d'exploitation de 212 000 euros par an sur les 3 derniers exercices. Les recettes qui ne couvrent que 34% des dépenses de fonctionnement. Des pertes de recettes entre 2014 et 2016 de 6%. Et un coût de réhabilitation du bâtiment évalué à plus de 8 millions d'euros. À la vue de cette vérité comptable, il est indiscutable que l'exploitation de la salle Rameau est déficitaire. Cependant, j'aimerais donner quelques chiffres à mon tour, lesquels, je pense, doivent également être pris en compte dans la gestion de ce dossier. 108, c'est l'âge de la salle Rameau.
qui fut inaugurée le 8 novembre 1908. De 689 à 865, c'est le nombre de spectateurs que la salle peut accueillir selon la configuration choisie. 92, c'est le nombre de manifestations organisées encore l'an dernier durant la saison 2015-2016. Alors que nous manquons cruellement d'équipements de proximité, aussi bien dans le domaine culturel que sportif, vous décidez tout seul de vendre la salle Rameau, lieu mythique, pouvant accueillir des spectacles, des conférences dans des domaines extrêmement divers et variés. Mais même si nous comprenons aisément que la problématique de déficit structurel, nous pensons que vendre la salle Rameau n'est pas la bonne solution. La municipalité fait le choix depuis 16 ans de vendre des bijoux de famille pour équilibrer ses comptes. La salle Rameau, salle centenaire, fait partie du patrimoine lyonnais et elle mérite autre chose. Sa façade est habillée de sculptures et de mosaïques d'artisans de l'époque comme Flachat, Pennel, Mangier, de Guillermin, pour ne citer qu'eux. C'est une institution lyonnaise que nous ne pouvons pas brader au plus offrant. Pourquoi ne pas avoir choisi, à ce stade du processus, d'accorder un bail emphytéotique comme ce fut le cas pour l'Hôtel Dieu ? Cela aurait permis de conserver le bâti, de s'assurer de la destination du lieu et de préserver le bilan de la ville. J'ai bien compris que le choix n'était pas encore arrêté, mais on se demande pourquoi, justement, il n'a pas été arrêté avant. Aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose de ce projet de reprise. Est-ce que c'est un opérateur culturel qui reprendra l'exploitation ? Est-ce que la destination du bâtiment sera conservée ? À quel prix sera vendu le bâtiment ? Il est vrai que depuis le début, la municipalité avance masquée, cultive le mystère et reste à l'orée de son jardin des secrets. De quoi avez-vous peur ? Un dossier comme celui-là, aussi emblématique, aurait dû être mis au débat. Dans cet hémicycle, mais aussi, et pourquoi pas, sur la place publique. Les citoyens sont capables de comprendre les enjeux financiers, la question des coûts, la question de la rentabilité. Sur ce sujet, vous n'auriez pas dû avoir peur du débat, de votre position, du maire d'arrondissement, du voisinage, des conseils de quartier, des acteurs culturels, que sais-je encore. Après le débat, et le débat aurait peut-être permis d'entrevoir des solutions auxquelles vous n'auriez pas spontanément pensé, serait venu le temps de la décision prise par vous, la majorité. C'est cela, la démocratie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dossier n'a pas été démocratiquement traité. Alors, en attendant, les élus que nous sommes sont preneurs d'informations sur cette consultation ouverte d'opérateurs préalables à la rénovation du bâtiment et les relances d'une activité de ces spectacles. Sans ces informations, nous ne pourrons approuver ce rapport. Le groupe Les Républicains et Apparentés Ensemble pour Lyon, Monsieur Guillon. Oui, Monsieur le maire, avec cette délibération, vous nous proposez d'acter ni plus ni moins que la privatisation de la salle Rameau. Il faut en effet appeler un chat et passer d'une salle gérée en régie à un bail emphytéotique revient en effet à cela. Cette salle sera demain gérée par un opérateur privé. Le fait que ce dossier soit, Monsieur le maire, porté par l'aile gauche de votre exécutif, enfin, par l'aile gauche de l'exécutif de votre prédécesseur, dont vous devriez, le suspense reste entier, reconduire la délégation. Le fait donc que ce dossier soit porté par l'aile gauche de votre exécutif n'est pas sans questionner les spectateurs assidus de nos débats. Les adeptes de Danse Étoile et votre passé d'adjoint à la culture vous donnent à ce titre toute crédibilité, admireront le grand écart opéré par la partie gauche de votre majorité, j'y reviens. Il est vrai que depuis hier et l'élection au poste de premier adjoint d'un homme qu'on peut aisément imaginer plus proche des théories libérales de ces que des inepties collectivistes de Marx, les marges de manœuvre ont été érigées en principe et chacun, on l'a compris, devra s'y soumettre ou se démettre. Voilà donc le contexte pour le moins cocasse de cette délibération. Pour le reste, et à l'instar des collègues qui ont parlé avant moi, nous regretterons que cette délibération ne s'inscrive pas dans une réflexion plus globale sur la gestion des salles municipales de proximité, et notamment sur une gestion confiée aux arrondissements. Nous regretterons que cette délibération acte de fait
La disparition de l'Académie de billard présente dans les lieux depuis plus d'un siècle. Et nous regretterons également, une fois encore, d'être mis devant le fait accompli et qu'aucune concertation avec les habitants ni aucun débat avec les élus de proximité n'ait été engagé. Vous l'avez compris, nous nous abstiendrons sur cette délibération dont on ne sait si elle doit être dans la méthode rattachée aux actes de l'ancien régime ou si elle présume d'une volonté que rien ne change. Je vous remercie. J'avais un autre temps de parole du groupe Écologie Les Verts, Madame Baume. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, la ville peut tout à fait, comme on dit dans le jargon, avoir une gestion active de son patrimoine immobilier. La ville, au regard de ses compétences, connaît parfaitement, et vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur le maire, les différents acteurs du champ culturel, les multiples problématiques liées à la création, l'incubation, la diffusion, mais aussi l'insertion des jeunes formés, quelles que soient les pratiques et esthétiques, tout autant que les réflexions au niveau du bassin de vie de l'agglomération lyonnaise. La ville, au nom du développement de l'économie de proximité, en articulation avec la métropole, mobilise des compétences, le manager de centre-ville, un poste de développeur économique aussi, et des fonds, malgré l'arrêt du FISAC, pour maintenir et développer un tissu d'activités, de production et de services, y compris en cœur de quartier, donc y compris dans ce quartier de la Martinière. Et enfin, la ville s'est largement mobilisée depuis des dizaines d'années sur la question de la protection de son patrimoine, depuis le classement UNESCO jusqu'à l'outil AVAP. Et pourtant, là, au lieu d'un diagnostic partagé, un diagnostic de besoin avec les acteurs culturels que vous connaissez, mais aussi avec les usagers du secteur de la salle Rameau, à savoir des habitants, des touristes, donc tout autant sur les usages culturels, mais aussi sur d'autres usages, à ce jour restés sans réponse privée ou publique, donc pas de diagnostic partagé. Et pourtant, là aussi, au lieu de proposer une vision à moyenne vue de gestion dite active de l'immobilier avec un outil type bail emphytéotique pourtant mobilisé pour un autre site en toute proximité, vous en avez parlé, la halle de la Martinière. Là, nous n'avons aucune garantie écrite dans la délibération proposée. Et pourtant, la ville sait parfaitement bien faire ce type de démarche. Il nous semble donc que les choses sont faites à l'envers. Et dans ce sens, le groupe Europe Écologie Les Verts ne peut pas approuver cette délibération. Nous votons contre. Monsieur Corazol. Très bien, merci. Voilà, quelques mots quand même. Monsieur Remy, je vais m'éviter de vous donner des conseils, donc je me retiendrai et je vous demanderai de me les donner gentiment. Mais vous voyez, au fond, j'ai appris dans toutes mes pratiques qu'il y a deux dangers. C'est un, la lenteur, qui s'appelle la procrastination, l'autre la rapidité. Deux dangers qui mènent à l'inactivité ou aux erreurs, et les deux peuvent entraîner au même résultat. Donc je ne suis pas un adepte de l'ultra-rapidité pour le plaisir, mais quand même de réfléchir. Au fond, qu'est-ce qui nous guide dans le choix qui est proposé ici? C'est un, de continuer à notre action de modernisation et de rénovation de cette partie du centre Lyon. Oui, ça vient se rajouter à l'église Saint-Bernard, mais vous m'avez déjà demandé de retirer cette délibération. Je crois que la halle Martinière, que vous ne m'avez pas demandé de retirer, puisque le process est en cours, tout cela participe au fond de ce qui nous a animés d'abord, y compris avec l'implantation de S-MOD, comme vous le savez. Notre autre volonté, j'y tiens, c'est de poursuivre nos efforts dans le domaine culturel. Je vous rappelle que la ville investit de manière forte dans la culture, 20% de notre budget. C'est un montant peu égalé et que nous avons investi cette année. Nous sommes la seule ville en France qui ouvrira 3 bibliothèques en 2017 et nous intervenons aussi sur le musée Guimet pour le transformer en atelier de la danse. Juste qu'il faut aussi avoir cette vision un peu globale de la politique culturelle de la ville et pas prendre sujet par sujet comme s'ils étaient indépendants les uns des autres. Nous avons aussi le souci de développer cette scène artistique lyonnaise qui ne doit justement pas s'arrêter face aux contraintes budgétaires. Comme d'autres sujets majeurs de notre ville, nous avons à trouver des liaisons et des solutions
intelligente qui repose associant le privé et le public. Je soulignerai aussi, en tant que premier adjoint en charge de la culture, que les acteurs privés de la culture sont aujourd'hui plus nombreux et beaucoup plus expérimentés dans notre pays. On reprendra les statistiques sur les occupations des salles parce qu'il faut les segmenter en fonction des activités, parce que tout ne va quand même pas si bien que ça dans notre pays pour les salles de spectacle, qui amènent justement un certain nombre d'acteurs, en particulier dans les grandes métropoles culturelles, de développer une offre culturelle par le jeu de fondations qui viennent renforcer les musées, les théâtres, des salles de concert de plus en plus gérées par des structures privées. Et ne me dites pas que ce serait une insulte au développement des projets artistiques. Aujourd'hui, il existe dans notre pays un certain nombre d'acteurs ou d'entrepreneuriat culturel ou d'entreprises culturelles puissantes qui sont aujourd'hui particulièrement intéressé par notre ville parce qu'il y a du potentiel, et je pourrais vous citer des festivals comme celui du Polar, comme celui de la BD, comme les Assises du Roman, qui font qu'aujourd'hui un certain nombre d'éditeurs, je fais une parenthèse, vont choisir attendre la date du Quai du Polar pour sortir leurs éditions de l'année. Donc on ne peut plus dissocier ces deux vecteurs dans nos politiques culturelles. Donc, je crois que je ne voudrais pas ici laisser planer que nous aurions l'idée de tuer la création dans notre ville et de détruire tout ce qui fait le ferment du développement de notre ville. Donc, c'est bien dans l'idée de donner un nouveau souffle à cette salle, dans le cadre d'un appel à candidature, en sollicitant tous les acteurs en capacité de répondre à ce type de projet qui sera budgétairement lourd, voire très lourd, qui fait que, par exemple, M. Guillon, vous l'évoquiez, le choix entre la vente de ce bâtiment qui a été évoqué et le choix d'un bail emphytéotique sera aussi lié à la charge financière de la rénovation de ce bâtiment et de sa destination. Il est possible que la charge de l'achat plus des travaux soit trop lourde et que nous prenions à ce moment-là, comme nous l'avons fait pour d'autres bâtiments, l'option d'un bail emphytéotique. Donc moi, je crois que ce que nous lançons là, c'est évidemment cet appel à projet qui est prêt, qui sera lancé dans les semaines à venir. C'est pour nous le premier temps et sincèrement, je crois que la ville n'est pas en capacité. Moi, j'entends bien qu'on doit mettre de l'argent pour le musée des tissus, mettre de l'argent pour la salle Rameau, mettre de l'argent partout, mais vous serez les premiers à trouver que la gestion de cette ville finit par coûter très, très cher. Donc, il faut quand même qu'on ait quelque part une idée de l'endroit où nous mettons le curseur de nos ambitions. Et en tout cas, je voudrais vous assurer que nous serons vigilants à la qualité des projets qui nous seront soumis, dont nous aurons l'occasion de partager. Mais aujourd'hui, le premier temps est de lancer cette consultation et je crois que nous n'allons pas retirer cette délibération et ça ne remet pas en question mon engagement à un dialogue pour l'ensemble des actions que nous mènerons. Je vous remercie, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Gay. Monsieur le maire, si vous me permettez, pour une petite précision pour Monsieur Broliquier, sur le nombre de spectacles ou en tout cas d'organisations présentes dans la salle Rameau pour l'année 2016, je crois, ou 2015-2016, nous avons eu 92 effectivement occupations parce que nous avions des travaux importants au palais de Bondy. Donc le palais de Bondy a reporté sur la salle Rameau l'ensemble de quelques... Voilà, je vous apporte cette précision, Monsieur Bourliquet. Pour ce qui concerne le dossier suivant, il s'agit d'une convention tripartite entre la ville, la métropole et les HCL
qui a été signée, chacun se le rappelle, le 17 décembre 2014. Cette convention prévoit les modalités de versement des subventions de la métropole et de la ville pour les hospices civils. Ainsi, pour la ville de Lyon, il était prévu un versement découpé comme suit. Je vous donne à connaître. 2014, 4 712 500 euros. 2015, 5 137 500 euros. 2016, 7 100 000 euros. 2017, 3 050 000 euros. À ce jour, les montants prévus sur 2014 et 2015 ont bien été versés. Pour l'année 2016, seuls 6 135 000 euros ont été versés aux HCL. Suite à un léger décalage dans l'exécution des travaux, la ville n'a à ce jour versé que 16 millions d'euros, soit 80% de la subvention. Par la signature du présent avenant, il est convenu que la ville ne versera le solde de la subvention qu'à la fin de l'opération de modernisation sur présentation de différents justificatifs. Ainsi, la ville s'aligne sur les modalités de versement de la métropole. Il est précisé que les HCL enverront à la direction générale immobilier travaux menés par Madame Anne Gestin aujourd'hui, tous les 6 mois, un compte rendu de l'avancée des travaux. Avis favorable de la Commission. Merci. Un temps de parole pour le groupe UDI apparenté, Monsieur Jourgeon. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, les élus du groupe UDI apparenté approuvent cette délibération qui illustre l'avancée des travaux de requalification de l'hôpital Édouard Herriot. Nous voterons donc bien évidemment ce dossier. Monsieur le maire, à l'occasion de ce rapport, je souhaitais attirer votre attention sur la récente fusion des centres des brûlés des hôpitaux Saint-Joseph-Saint-Luc et Édouard Herriot au sein d'un groupement de coopération scientifique sanitaire, le centre Pierre Colson, implanté à HEH. Lyon, comme vous le savez, est une place forte en matière de soins des victimes de graves brûlures. Il est bon de rappeler que le premier centre de traitement des brûlés d'Europe a été créé en 1952 dans le 7e arrondissement, au sein du centre hospitalier Saint-Luc, centre qui devient le service de référence de l'OMS par la suite. En 1970, Lyon crée la première filière de soins aux brûlés, associant à la fois Saint-Luc, Saint-Joseph et HEH, une filière prenant en charge le patient depuis son accident jusqu'à sa réinsertion sociale. Plus récemment, le centre des brûlés de Saint-Joseph-Saint-Luc a continué à innover en développant des outils de télémédecine afin de pouvoir apporter son expertise à distance auprès des hôpitaux français. Cet outil numérique, associé à un système d'astreinte, permet d'accompagner le praticien de proximité dans son diagnostic et le traitement. En parallèle, le centre de Saint-Joseph-Saint-Luc a aussi joué un rôle central dans un projet européen qui vient de se terminer, le projet Fagoburn. J'ai à plusieurs reprises rencontré les équipes du centre de Saint-Joseph-Saint-Luc qui font un travail remarquable. Au total, ce sont chaque année 750 patients hospitalisés et 5000 patients traités en ambulatoire qui étaient accueillis dans ces deux centres de traitement des brûlés à Saint-Luc-Saint-Joseph ainsi qu'à HEH. Depuis 2008, une réflexion a été conduite pour fusionner les deux centres. Cette fusion permettant de créer le plus grand centre de brûlés d'Europe avec une codirection équilibrée, Hospice Civil de Lyon et Centre Hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Un cahier des charges a été établi à cette époque afin d'élaborer un outil de travail à la hauteur des ambitions. Plusieurs scénarios d'implantation avaient été évoqués en lien avec un cabinet d'architectes, soit à HEH, soit au sein de l'hôpital des Genettes, soit au niveau de Saint-Luc-Saint-Joseph. Le budget provisionnel de l'opération était compris entre 15 et 19 millions d'euros. Aujourd'hui, la fusion des deux CTB, des deux centres de traitement des brûlés, est effective depuis 2 mois, date d'arrivée des patients de Saint-Joseph-Saint-Luc à HEH. Le budget consacré à l'aménagement du nouveau centre de traitement des brûlés de Lyon a été revu à la baisse, pour un budget d'investissement de 5 millions d'euros. Même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions de cette fusion, il existe aujourd'hui plusieurs difficultés qu'il faudra résoudre à court terme. Des locaux dispersés sur plusieurs étages, une réduction significative du personnel, une réduction du nombre de lits qui est passé de 36 à 30 pour un même objectif de nombre de patients traités, la chirurgie réparatrice, qui n'est pas présente sur le site de l'hôpital Édouard Herriot, elle est en effet restée au niveau des hôpitaux de la Croix-Rousse et Saint-Joseph-Saint-Luc, ce qui nécessite des déplacements réguliers qui peuvent fragiliser le suivi des patients.
De même, cette question du suivi des patients semble aussi se retrouver au niveau de la kinésithérapie et de la psychiatrie. Monsieur le maire, les élus UDI sont convaincus que nous ne devons pas rester figés dans des organisations préexistantes. Nous sommes, et vous le savez, des défenseurs de la mutualisation. Mais pour nous, regroupement, mutualisation des services doivent avoir un double objectif. En premier lieu, améliorer la qualité du service, et dans le cas présent, la qualité de l'accompagnement médical du patient. Et dans un deuxième lieu, temps seulement, contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses. Dans une fusion, l'objectif est donc bien de retenir le meilleur des pratiques de chaque entité d'origine. Monsieur le maire, du fait de votre expérience professionnelle, mais aussi en tant que futur président des HCL, nous comptons sur vous pour veiller à ce que cette fusion soit un succès. Je vous remercie. Pardon. Je vous remercie, Monsieur Jourgeon, de cette intervention extrêmement documentée sur à laquelle je n'ai vraiment rien à enlever, rien à rajouter. Tout est juste. Les conclusions le sont peut-être un peu moins. Ce processus a été un long processus initié en 2003 par un rapport de l'IGAS qui était venu travailler à Lyon et qui s'étonnait que la ville de Lyon ait deux services de brûlés et que c'était une anomalie qui n'existait nulle part hors Paris, et une demande formulée malgré tout pour essayer de rapprocher ces deux entités, même s'il considérait que les deux entités avaient une histoire et des pratiques tout à fait performantes. Vous l'avez précisé, et l'une n'est pas supérieure à l'autre, même si, vous savez bien que je suis de cet hôpital, l'une a précédé l'autre, puisque c'est en 52 que ce centre des brûlés a été initié à l'hôpital Saint-Luc. Mais ça, c'est déjà l'histoire. Dès lors, c'est en 2006 que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation a suggéré que l'on se mette au travail. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour que ces deux équipes, qui pour différentes raisons pouvaient se vivre concurrentes, se mettent au travail. Et j'ai pu, avec le directeur de la stratégie des hospices à l'époque, M. Barral, et moi-même, faire en sorte que nous accouchions d'un projet de coopération qui avait l'ambition de faire de Lyon, de créer à Lyon, un centre de brûlure, on ne dit plus de grande brûlure maintenant, mais de brûlure, qui couvrirait, qui répondrait à 25% des prises en charge de notre pays, ce qui est énorme pour une ville comme Lyon. Et voilà, après, il a fallu concrétiser. Nous sommes ce projet à naviguer de bâtiment en bâtiment, de projet de construction en projet de construction. Vous n'êtes pas sans ignorer que les budgets de la santé ne sont pas en pleine forme et depuis déjà quelques années. Et finalement, c'est le directeur de l'ARH, M. Jacquinet, qui a tranché, qui a dit « ce sera dans le pavillon I, point, barre ». Et vous ferez un groupement de coopération sanitaire qui avait comme socle de préserver effectivement les deux identités. Ce n'est pas une fusion, c'est un groupement de coopération sanitaire où chacun apporte dans l'ensemble la participation et des équipes et d'une partie des budgets. Et c'est ainsi que nous l'avons fait. Évidemment, les choses sont un peu difficiles. Parce qu'il y a ceux qui déménagent, qui trouvent qu'ils n'ont aucune raison d'aller déménager dans un hôpital qui était très neuf, dans un hôpital qui l'est un peu moins. De bloc, je vous rappelle que le pavillon H est en train d'être refait, donc la question de la chirurgie n'est pas réglée complètement. Donc effectivement, c'est un moment difficile, comme tout projet qui démarre. Il y a des tensions entre les médecins, parfois au niveau des équipes, un coup de déprime. J'admets tout ça et je veux le dire ici, mais sincèrement, la force du projet doit aller de l'avant, et ces ajustements qui sont nécessaires sont en train d'être mis en forme. Et je pense que, en tout cas, les malades n'ont rien à craindre de leur prise en charge aujourd'hui, qu'ils soient par le biais du bras Saint-Joseph-Saint-Luc ou par le biais de HEH, je nous assure, et en tout cas nous serons vigilants pour des tas de raisons, pour que ce projet qui est ambitieux entre deux hôpitaux, qui entre d'ailleurs dans un projet plus large de coopération et de mutualisation de plusieurs structures dans notre ville, eh bien, puisse aller de l'avant et réussir.
Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame Gay. La délibération suivante, il s'agit de l'acquisition d'un tènement situé 9 rue Pionchon et 8-10 rue du 17 juillet. Et ça, cela, dans le cadre du plan local d'urbanisme actuel, est inscrit à un emplacement réservé situé sur les communes de Lyon et Villeurbanne, et ce, au bénéfice de la ville de Lyon, en vue de la construction d'un groupe scolaire d'ici à 2 mandats. Donc, c'est un emplacement de 5000 m² qui compte 9 des 14 parcelles sur Villeurbanne. Voilà ce que je peux dire pour cette délibération. Avis favorable de la commission. Un temps de parole. Voilà. Je ne suis pas aidé par ma deuxième adjointe qui essaye de me tromper déjà. Donc, un temps de parole, le groupe Les Républicains et Apparentés Ensemble pour Lyon, M. Béra. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais, pour cette première intervention sous votre magistrature, je vais commencer par répondre par un de vos souhaits. Dans la réponse que vous avez faite à Mme Perrin-Gilbert, vous avez souhaité qu'on prenne le plus en amont possible les dossiers, et ça va être le cas sur ce sujet-là. Alors, Monsieur le maire, nous n'allons pas prendre part au vote sur cette délibération, car elle nous semble porteuse d'incertitudes politiques et juridiques. Comme cela a déjà été le cas par le passé, elle vise à autoriser l'achat par la ville d'un bien situé sur le tènement Pionchon 14 juillet, à la limite entre Villeurbanne et Lyon 3e, dans le quartier Villette-Paulbert. Ces acquisitions sont motivées par les réalisations futures d'un groupe scolaire sur ce tènement pour faire face à la hausse des effectifs. Un emplacement réservé figure d'ailleurs au PLU pour ce motif, ce qui permet à la ville de préempter les biens visés. Alors ça, il semble que ce soit la théorie, puisque la réalité envisagée pourrait être tout autre. Lors des derniers conseils d'arrondissement du 3e, à l'occasion d'un débat sur la relocalisation temporaire d'une friche artistique dans l'un des locaux acquis sur ce tènement, le maire du 3e arrondissement a en effet affirmé que de toute façon, ce tènement n'est plus destiné à accueillir un groupe scolaire, une alternative étant projetée sur le terrain du groupe scolaire de la rue des Petites Sœurs. Dans ce cas, n'est-il pas problématique de motiver les acquisitions rue Pionchon 14 juillet, comme c'est le cas dans ce rapport, par la réalisation d'un groupe scolaire ? Dans ce cas, n'est-il pas problématique d'imputer les frais d'acquisition, comme on le voit dans ce rapport, sur la ligne budgétaire aménagement de groupe scolaire ? J'ai cru comprendre aujourd'hui que le budget des affaires scolaires n'était pas forcément débordant de moyens et qu'il y avait de nombreux besoins non satisfaits. Ne serait-il pas opportun, Monsieur le maire, au plan démocratique, de connaître officiellement le vrai projet envisagé sur le tènement ? Vous savez faire des modifications du PLU quand il faut construire des tours. Pourquoi ne pas en avoir profité pour clarifier vos projets sur le tènement Pionchon 14 juillet lors de la dernière modification ? Dans l'attente de cette clarification, nous ne prenons pas part au vote. Je vous remercie. Alors, dans l'état de ma connaissance de ce dossier, qui évidemment j'ai revisité, il n'y a pas de projet d'école sur ce mandat. Et il n'y a aujourd'hui pas de projet d'école sur le mandat suivant. Mais c'est la question qui reste ouverte, comme il faudra de toute façon créer une ou deux écoles, cette hypothèse n'est pas exclue. Donc ça ne veut pas dire qu'entre-temps, on ne sera pas amené à faire d'autres projets, mais dans tous les cas, aujourd'hui, dans l'utilisation de ce tènement qui sera sûrement un peu plus lointain, l'hypothèse d'une école reste active. C'est clair ? Oui, Madame Gué. Thierry ? C'est un débat récurrent. Donc, effectivement, Monsieur le maire, vous avez parfaitement dit ce que Monsieur Béra sait, à savoir qu'il n'y a pas de projet pendant ce mandat, qu'il n'y aura pas de projet dans le mandat suivant. L'équipe du 3e défend l'idée que ce n'est pas le meilleur choix possible, parce que si on a besoin d'une école supplémentaire, il nous semble que le mieux ce serait de la reconstruire sur Pompidou, parce que dans la rue des Petites Sœurs, il y a deux écoles, il y a Pompidou et il y a Mourguet. On peut facilement faire une opération tiroir sur Mourguet et reconstruire à ce moment-là sur Pompidou. Mais tout ça, ça nous amène à dans 10 ou 12 ans. Je pense qu'il est effectivement sage
de continuer à acquérir les terrains. Je rappelle que ces terrains vont servir immédiatement pour les artistes qui quittent la friche Lamartine. Donc, ce n'est pas des acquisitions inutiles. Hein. Nous allons faire quelque chose de parfaitement utile. Maintenant, dans 12 ans, est-ce qu'on changera d'avis et qu'on y fera une école en, peut-être d'ailleurs en lien avec Villeurbanne, pourquoi pas, j'en sais rien. Pour l'instant, il me semble logique de continuer à acheter. Et après tout, on a autant de chances d'en faire un lieu culturel dans 12 ans qu'une école. Donc je ne vois pas en quoi c'est un problème. Oui. D'accord. Et une toute petite précision suite à Thierry Philippe, c'est que nous avons un certain nombre de lots qui sont constitués de garages. Et nous mettons ces garages au bénéfice, enfin pas au bénéfice, mais à des particuliers par convention d'occupation temporaire aujourd'hui et consentie annuellement. Donc on essaye comme un tout petit peu aussi de récupérer quelques deniers. Voilà. Voilà, c'est un souci d'anticipation qui n'insulte pas l'avenir, Monsieur Béra. Donc je crois que. On peut clore, je mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Parfait. Madame Gay. Le dossier suivant, il s'agit du principe de gratuité de mise à disposition des locaux de la cuisine centrale au profit du futur prestataire du marché public de restauration scolaire. Avis favorable de la commission. Pour le groupe Europe Écologie Les Verts, Madame Chevalier. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, en fait, cette délibération est pour nous l'occasion de parler de nos attentes vis-à-vis du prochain marché de la restauration scolaire. La restauration scolaire permet d'offrir un repas de qualité aux enfants, donc c'est bénéfique pour leur santé. Elle permet une éducation au goût, une sensibilisation à d'autres façons de se nourrir et une éducation à l'environnement. Avec 25 000 repas assurés par jour aux écoliers lyonnais, elle peut jouer un rôle important dans la politique alimentaire de notre territoire, en favorisant la structuration de filières locales de qualité, y compris d'ailleurs en termes de protéines végétales. En ce qui concerne donc la production, aussi bien la production, la préparation, la distribution sans gaspillage, et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre ou encore améliorer la qualité de l'air. Cela appuie le développement d'un emploi local non délocalisables. Actuellement, les repas, donc dans le marché actuel, hein, aujourd'hui, contiennent 31% de composantes bio et 55% des légumes et des fruits, 75% de la viande de bœuf ou encore 100% du pain proviennent d'un approvisionnement local. Un repas sans viande, mais pouvant contenir du poisson, est proposé comme alternative chaque jour. Ce n'est pas un vrai repas végétarien. Le marché actuel a commencé à prendre en compte les préoccupations sur la qualité des repas et l'empreinte écologique de la restauration scolaire. Notre attente, et je pense qu'elle est largement partagée, est que nous allions plus loin pour le prochain marché. Voilà donc une série de propositions que nous avons déjà faites. Alors la première, c'est d'avoir plus de bio et de local. Par exemple, avoir comme objectif 50% de bio à l'issue du nouveau marché. Augmenter la part aussi du local, avec par exemple 80% pour les fruits et légumes, la viande et les produits laitiers. Nous savons tous que la situation géographique de notre ville le permet. Demander à ce que le prestataire utilise le plus possible les circuits courts pour l'approvisionnement. L'utilisation de produits frais, nous avons la chance en effet d'avoir une cuisine centrale qui possède une légumerie et qui permet la préparation de ces produits. Et donc, nous pensons que les produits surgelés et de conserve devraient être réservés pour les repas SOS. Autre proposition sur le poisson, qui soit vraiment en provenance de la pêche durable, c'est-à-dire pas d'espèces menacées ni de pêche en eau profonde. Et enfin, un vrai menu végétarien, sans autre alternative, une fois par semaine, pour permettre de découvrir que l'on peut se nourrir autrement avec des protéines végétales. En ce qui concerne le gaspillage alimentaire et les déchets, des progrès ont été faits récemment avec la commande des repas à l'avance, qui a permis de beaucoup diminuer les déchets, ou encore le travail entamé
avec des associations caritatives comme la Banque alimentaire pour récupérer les produits non consommés. Nous proposons d'avoir comme objectif à terme le zéro déchet, zéro gaspillage. Cela veut dire le compostage aussi bien à la cuisine centrale que dans les écoles, le don de ce qui n'est pas utilisé, un travail sur la taille des portions pour les repas, l'utilisation de récipients lavables pour la distribution, alors qu'aujourd'hui, beaucoup est distribué en barquettes, qui sont des barquettes jetables. Même, elles sont biodégradables, mais elles sont jetables. Enfin, il faudrait, dans nos cahiers des charges de commande publique, faciliter l'accès aux acteurs organisés en réseau ou en coopération, plutôt qu'à des grands groupes. Cela participe aussi à la relocalisation de l'économie. Ce serait bien que le conseil municipal soit informé du contenu du nouveau marché et nous espérons que celui-ci intégrera une grande partie de nos attentes. Merci par avance de votre attention. Avant, je propose que Guy Corazol, qui est président de la commission d'appel d'offres, puisse dire quelques mots. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai participé effectivement au comité de pilotage qui a travaillé depuis maintenant plusieurs mois avec mes collègues d'Unia Besson, Céline Faurie-Gauthier, Nicole Guerre, Richard Broum, sous la présidence d'Anne Brugnera, l'adjointe à l'éducation en tant que telle. Et nous avons pu organiser un nouveau marché, puisqu'on va s'engager au moins pour 2 ans avec ce nouveau marché, avec une reconduction de... une fois 2 ans possible. C'est un marché important parce qu'effectivement, il va servir près de 21 000 repas chaque jour à nos élèves, mais aussi 750 repas par jour aussi à 4 collèges, à des collégiens de 4 collèges de la métropole. Vous avez effectivement posé un certain nombre de questions. Je peux vous dire déjà qu'un grand nombre de ces questions trouveront réponse dans le nouveau marché. Ce que je peux vous proposer tout de suite, c'est que dès la rentrée, nous puissions, lors d'une commission éducation, faire un point d'information sur ce marché de restauration scolaire et nous pourrons évoquer l'ensemble des points qui sont dans ce marché et on pourra ainsi échanger sur les questions et les propositions que vous avez faites à l'instant. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette retransmission du conseil municipal. C'était le premier pour le nouveau maire Georges Kepenekian. Vous pouvez retrouver sur notre antenne la version courte de 52 minutes diffusée le samedi à 11h et le dimanche à 10h. Il n'y aura pas de conseil au mois d'août. Rendez-vous donc à la rentrée et merci de votre fidélité à TLM. Dans cette délibération.